Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tournoi Splatoon 3 Road to Paris Games Week. Vous allez voir que c'est un objectif sur lequel on va revenir. Je suis TPK et je suis accompagné du maître en la matière. Dimitri, comment ça va ? Bien le bonjour TPK. Un plaisir de te retrouver pour ces nouvelles batailles donc sur Splatoon 3. Un plaisir de vous retrouver également derrière vos écrans. Absolument. Là, ça va être... autant vous dire que là, ça va être une belle après-midi. Alors, on sait que le niveau français Splatoon n'est point à démontrer. Hein. Sur les dernières années, on se souvient des fabuleuses percées sur les différents championnats d'Europe notamment qui avaient pu avoir, souvenez-vous, les années passées. Là, on va se concentrer sur justement ce niveau français puisque qui dit Road to PGW dit avant tout des qualifications et donc un tournoi 100% francophone. Dimitri, avec évidemment ton suivi de la compétition en France, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ce niveau alors que Splatoon 3 est sorti il y a de cela quelques semaines à peine ? Ce que je peux te dire, c'est que les 4 places, il y a 4 places pour la Paris Games Week. Elles vont être extrêmement disputées parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ces places-là. Il y a un excellent niveau en ce début de Splatoon 3 et c'est pour ça que ces qualifications en ligne vont être extrêmement intéressantes à suivre, et y compris cette première qualification où vous allez le voir, il y a de sérieux prétendants, il y a des équipes que vous connaissez. TPK nous a parlé de la France qui brille en Europe, représentée par l'Alliance Rogue. Je pense que ce nom dit bien quelque chose aux amateurs de Splatoon. L'Alliance Rogue, par exemple, est bien là et participe à cette qualification avec d'autres très très grandes équipes. Ils font partie des favoris, naturellement. Ça fait déjà depuis des années qu'ils prouvent comment ils parviennent à, on va dire, être des piliers sur cette scène française, l'Alliance Rogue. On aura aussi l'occasion de voir d'autres équipes sur lesquelles nous reviendrons. Alors, pour le format, je vous la fais très très courte, mais nous avons donc 4 dates de qualification jusqu'au final à la Paris Games Week, donc ce fameux un slot par tournoi, une place à aller chercher pour ensuite avoir nos 4 équipes finalistes qui s'affronteront pendant la Paris Games Week début novembre. Autant vous dire que là, l'enjeu est de taille. Chaque victoire va compter, chaque défaite tout autant. Alors évidemment, toutes les équipes qui, on va dire, ne parviendront pas à remporter la première place pourront se retrouver dans les prochains tournois. Donc on pourrait d'ores et déjà s'habituer à voir quelques noms dans les brackets. Voilà les dates en vigueur. Samedi 8 octobre, c'est aujourd'hui. En gros, les prochaines dates, le 22, le 23 octobre. Et enfin, l'ultime séance de qualification, le samedi 29 octobre. Autant vous dire qu'il y aura quand même pas mal d'objets, de tentatives pour aller chercher le précieux Graal, à savoir une qualification pour la Paris Games Week. Et donc aujourd'hui, on va commencer sur les chapeaux de roue, si tu me permets l'expression, parce que nous avons d'ores et déjà 2 équipes de prêtes, mon cher Dimitri. Tout à fait, on va commencer par un petit 8e de finale avec les équipes Rambling et Ozone. Vous avez l'ensemble de l'arbre qui est affiché chez vous et vous voyez du coup les équipes qui participent. On essaiera de vous faire vivre au maximum les belles batailles d'encre. Vous voyez des grands noms qui sont là, évidemment vous reconnaissez l'Alliance Rogue, Squidding Good entre autres. On aura le temps d'y revenir parce que ils n'ont pas le temps, nos joueurs d'Ozone et de Rumbling. Le match commence dès maintenant, on va vivre des batailles d'encre, TPK. Ouais, le match qui commence de fait immédiatement et on n'aura pas de temps à perdre en vérité. Et bien pour nos deux équipes, on va revenir sur les différentes composition d'équipe à droite et à gauche, mais d'ores et déjà, vous le savez, on est donc sur le pont Esturgeon, une map tout en longueur qu'il va falloir surveiller, puisque les push peuvent être, pourquoi pas, mortels en termes de composition. Vous le voyez, on a le sacro-saint Ancri Fugeur de part et d'autre du calibre 2013 à la mode, Liquidateur Junior, Sniper et Rouleau, ma foi, mon cher Dimitri. Ouais, et ça commence fort avec une tenue de zone pour Rumbling, mais directement les joueurs de zone qui la reprennent avec l'Ancri Fugeur qui tente d'aller vers l'avant, qui cherche des liquidations sur le côté, et voilà, ils l'ont pris à deux. Et là, c'est parfait. Le jeu d'équipe qui se déploie du côté d'Ozone pour tenter de prendre les liquidations. Pour le moment, c'est plutôt serré. Il n'y a pas une équipe qui s'impose dans la zone alors qu'on va arriver sur la première minute de jeu. La première minute de jeu, le duel pour l'instant. Ouf, excellemment bien placé ici, le bouclier qui permet à Os pour l'instant de continuer de vivre. Et donc, justement, le push là, il a l'air d'être bon. L'Ancri Fugeur est quand même au contact. Oh, oui, il parvient à suivre un petit peu. Ça fait quand même des points demi de côté, notamment. Et bien, pour cette équipe,
Rumbling, qui avec le Liquidateur Pro va prendre un petit peu son aise. Là, on est juste sur le fait de repeindre, essayer de freiner un maximum l'avancée, tout du moins la reprise des ozones là-dessus. Exactement, ils vont vers l'avant, ils ont les spéciaux qui sont prêts là. Hein. Ouais. Le joueur qu'on suit ici a son crabe, par exemple, son crabe d'assaut, il va être prêt à répondre à l'assaut justement. Il le lance. Oh, la reprise de la zone a été forte, impactante, avec un joli Zator dans la zone de la part des jeunes de Ozone. Et pour le moment, malgré tout, hein, ça reste quand même une belle prise de zone et un bon lead pour l'équipe de Rumbling qui tient, vous le voyez, 45 points restants contre 88 points restants. TPK, on le rappelle, dans Splatoon, il faut descendre jusqu'à 0 pour l'emporter. Ouais. Ouais, le gros travail de Splatting là-dessus avec son crabe d'assaut, hein, véritablement. Il a fait gagner un maximum de temps. Derrière, l'étau s'est resserré. Ça a renfermé la position des Ozone qui ne parviennent pas à passer dans cette, eh bien, goulot des tremblements. Alors là, quel 3-6 no scope. Véritablement retour à la base, s'il te plaît, alors que la percée des Ozone avec le, eh bien, le haut perceur 5.1 qui permet quand même de faire son petit chemin, ça y est, on arrive à s'installer. C'est pas trop tôt, ce n'est pas encore terminé pour les Ozone. Allez, il y a le jouisateur de style sur le côté qui réussit quand même à prendre une liquidation avant de se faire liquider lui-même. Ça, ouais, ça bataille dans la zone. Attention, il se noyuse au duel. Oh, le moins 2 infligé par Oet sur les adversaires et peut-être même un moins 3 avec ce joueur qui arrive par là avec son super saut où il n'est pas arrivé en sécurité, mais il a réussi quand même à se tirer de ce mauvais pas. Et c'est Ozone désormais qui tient bien la zone et qui fait défiler le compteur assez rapidement. Hein, 50 points restants, ça rattrape les 28 points restants. C'est pas trop mal là ce qu'ils sont en train de faire, nos amis de chez Ozone, parce qu'attention là, dans une petite quinzaine de secondes, on sera malheureusement dans une situation où les Ozone seront en train de mener. On est peut-être un petit peu trop fort dans le joli Zator qui arrive. Et alors là, c'est ça, il faut absolument le mettre. Et il remène malheureusement pour nos amis de chez Rumbling qui vont devoir se forcer, frayer un chemin par la voie forte, par la voie des armes. Ça y est, quand même, on arrive à faire un moins 1, mais c'est un moins 1 de part et d'autre. On est dans le bouclier, mon cher Dimitri. Ouais, le compteur continue à défiler pour Ozone. Et là, c'est ultra dangereux pour Rumbling parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre la pénalité. Hein, ce qui fait que le compteur est libre de défiler plus que 10 petits points. Il faut peindre du côté des bleus. L'arrêt du décompte décroché, mais il faut me faire mieux qu'un arrêt du décompte. Il faut faire mieux qu'un arrêt du décompte. Il faut reprendre totalement le contrôle de la zone pour être un petit peu safe. Il faut mettre une pénalité. Il n'y arrive pas. Oh là là. Et ça va être du coup la victoire de Ozone dans cette première manche, cette première défense de zone. Là, là où tout s'est joué, hein, c'est que Rumbling n'a pas réussi à reprendre totalement le contrôle de la zone pour mettre la pénalité qui retarde le compteur d'Ozone, Ozone qui a pu du coup filer vers la victoire. Ça, c'était quand même rondement bien mené. Alors, il y a quand même eu on a vu quand même que ça s'est terminé sur une utilisation de Jolizator qui a été clutch, hein, qui a immédiatement arrêté le décompte, hein, pour Ozone. Ça nous a laissé à 7 points, mais immédiatement derrière, vous voyez, hein, on vous disait que l'encryfugeur est à la mode, et c'est peu dire. Mais il est énormément plébiscité, notamment, hein, pour cette ulti, cette capacité spéciale de Jolizator qui permet donc d'avoir cette grande zone d'explosion qui, dans la transaction, va repeindre le sol. Et si on repeint le sol, on peut plus facilement accéder à cet objectif 1-0 de fait. Le jugisateur qui marche très très bien en défense de zone, mais il marche aussi très très bien dans l'autre mode. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir pour stopper par exemple un stand mobile, une tour, et on va peut-être le voir justement dès maintenant parce qu'on va partir en expédition risquée sur le réservoir Rigadel pour cette prochaine manche entre les deux équipes, et une manche qui est déjà décisive parce qu'on est en 8ème de finale, on est en PO3, il faut donc deux manches gagnantes pour passer le tour suivant. Il manque plus qu'une manche à Ozone, et donc c'est déjà une balle de match à sauver du côté de Rumbling. Ouais, là on a déjà une belle balle de match à aller chercher, à sauver. Enfin là, il y a clairement de quoi faire. Le travail de Splatting quand même, sur lequel j'insiste, hein, parce qu'il a été assez bon dans le côté Liquidateur Pro. Alors Liquidateur Pro aujourd'hui dans Splatoon 3, on va plutôt se diriger vers une fonction de support globalement, et tu vois, j'ai trouvé que c'était plutôt convaincant ce qu'il a proposé. On l'a vu sur la défense, enfin tout du moins la défense de zone tout à l'heure, son ancrage, la façon dont il a tenu, hein, défensivement, il a tenu l'objectif de main de maître avec le crabe d'assaut. Splatting a surveillé pour la prochaine carte. Alors, est-ce qu'on va rester sur un Liquidateur Pro sachant qu'on part sur une expédition risquée? Là, point d'interrogation. De ce qu'on voit généralement, les changements de composition vont être relativement modérés. On va garder ce tandem d'encryfugeur calibre 2000. Généralement, il est excessivement fort. Et voir un petit peu comment on va pouvoir changer peut-être la composition. Voilà pour ça.
Alors qu'on va se diriger vers une expédition. Ouais, ça va commencer dans pas trop longtemps. Tu parlais de Splatting avec son liquidateur pro. Il faut savoir qu'il y a parfois des histoires d'amour entre des joueurs et des armes. Ouais. Et Splatting, pour le coup, hein, voilà, le liquidateur pro, il le connaît depuis déjà très longtemps. C'était son arme fétiche sur Splatoon 2. C'était les bulles d'encre à l'époque, ouais, le spécial. Tellement fort. Alors après, il y aura peut-être d'autres variantes du liquidateur pro avec d'autres spéciaux. Mais en tout cas, il connaît très très bien cette arme Splatting, effectivement. Ouais, c'était mon arme aussi, un liquidateur pro. Allez, on va devoir réaccueillir les joueurs puisqu'il y a eu un petit souci. Entre les deux équipes, ça arrive souvent sur les matchs en ligne, mais tout va bien se passer. On va y retourner. Ouais, liquidateur pro de fait, parce que moi je me souviens que sur Splatoon 2, donc moi je dosais énormément avec le liquidateur pro. On me disait oui, mais c'est un peu le baby mode, etc. J'étais en mode mais non, vous ne comprenez pas la beauté exceptionnelle des bulles. Parce que les bulles dans Splatoon 2, quand t'agitais tes bulles partout et que les mecs venaient s'empaler dessus, il n'y avait pas meilleur. Globalement, pas meilleure émotion, je pense, pas meilleur sentiment que de voir des gens s'empaler sur des bulles. Ces bulles, elles permettaient déjà de tout faire péter et de prendre des kills, hein, évidemment, mais aussi elles permettaient de se planquer. Ouais. Et ça, c'était vraiment. Ça, c'était fort. Ça, c'était très, très fort. Il y a beaucoup de joueurs qui restaient planqués derrière les bulles. Ouais. Ça marchait très bien en bazookar aussi, puisque le joueur qui portait le bazookar pouvait rester bien à l'abri dans les bulles et avancer avec le bazookar. Donc voilà, il y avait pas mal de possibilités avec ce spécial. Mais il y a aussi des spéciaux dans Splatoon 3, des nouveaux spéciaux qui offre ce type de possibilités défensives cool. Et offensives, le district cool, mais aussi l'aspirant-encre, qui est aussi offensif dans sa phase, j'envoie un gros tir d'encre, mais aussi défensif dans la phase, j'aspire toute l'encre j'aspire tout, ouais. Pour être à l'abri et pour aussi mettre à l'abri mes coéquipiers. C'est vrai qu'en plus, alors le district cool, on pourrait en voir hein, sur l'expédition risquée, parce que c'est vrai que quand vous le posez sur la tourelle, ça fait office de protection, littéralement, et il y a des compositions, notamment qui embarquent des hands-up, hein, qui peuvent proposer ce genre de stratégie. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'un district cool quand en face, t'as trois jolisateurs qui te visent. Je te pose la question, là t'auras beau mettre autant de district cool que tu veux, tu te manges des jolisateurs au niveau de l'arcade sourcilière, t'as pas trop le droit de dire quoi que ce soit malheureusement. Mais le point positif du district cool, c'est que malgré ça, tu reviens quand même plus vite dans la partie. Exactement. Hein. Et c'est pour ça qu'il est très joué ce district cool, ce coup de boost qui est très très appréciable pour les joueurs. Parce que le but de Splatoon c'est quand même un jeu qui est très dynamique, hein, je pense qu'on va le voir tout au long de ses qualifications. Et pouvoir revenir encore plus vite dans la partie et à nouveau être au front pour livrer bataille, c'est ce que permet ce district cool, même quand on est liquidé. C'est une donnée extrêmement importante dans ce jeu. Ça c'est clair. On verra. Je suis très curieux de voir comment vont s'orienter les compositions d'équipe, hein, puisque si l'Ancre Fugeur, ça ne fait aucun doute. On sait aussi que l'Éclat Blaster en expédition risquée est assez plébiscité, hein, puisque vous verrez que donc sur la tourelle il y a un pylône en fait autour duquel vous pouvez jouer pour vous cacher, absorber des tirs. L'Éclat Blaster, il s'en fiche, hein, puisque vu que c'est une. Il n'a pas besoin de viser, l'Éclat Blaster. Voilà, il n'a pas besoin de le viser, mais surtout. Les joueurs d'Éclat Blaster qui vont détester ce que je viens de dire. Voilà, mais après, c'est pas grave de dire qu'ils sont pas là pour viser. Les joueurs qui savent jouer avec les qualités de l'arme. Exactement. Et c'est déjà quand même pas mal. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais évidemment, vu que c'est une explosion et non pas un projectile rectiligne, et ben l'explosion, vous pouvez vous cacher derrière ce que vous voulez, vous serez pris dedans. Et c'est aussi ça l'intérêt de l'Éclat Blaster. Ah ouais, sur une expédition risquée, c'est tout l'intérêt de cette arme. L'Éclat Blaster XL qui a changé de tête sur Splatoon 3, il a un petit coup de neuf sympa en termes de design. Et il est effectivement très joué en expédition risquée. Il fonctionne très très bien. Je sais pas si on va en voir, on va voir. On attendait plus que Lucky Fire du côté d'Ozone qui a mis du temps à choisir son arme, mais ça y est, tout le monde est prêt. Le match va pouvoir commencer dans quelques secondes. Et c'est donc l'expédition risquée, nous y voici pour nos deux équipes. Deux équipes qui donc du coup, on vous le rappelle, l'objectif là, c'est de pouvoir soit confirmer, soit de réégaliser derrière. C'est donc l'enjeu de taille. Alors vous le voyez, cette map en expédition risquée, elle est vraiment délicieuse, hein. J'adore cette map véritablement, mais elle va donner tous ses lettres d'or. On regarde au niveau des compositions, puisqu'on a plus ou moins la même composition pour les Rumbling. Quand en face, mon cher Dimitri, on a pris un nettoyeur. Ouais, le nettoyeur qui va permettre de rester à distance. C'est Fitz qui s'en charge, ça va jouer le scroll au backhand, mais il est attaqué là, hein, par l'Ancre Fugeur. Du coup, il prend pas de risque, il rentre à la base pour rester en vie pendant que son équipe arrivait à prendre des liquidations, même si Lucky Fire s'est fait reprendre à son tour par le sniper, le concentrateur Zour de Totor. Ça attaque, hein, du côté de Rumbling directement,
très fort avec l'assaut qui est lancé par le crabe de Splatting qui est aux avant-postes, qui mitraille comme il peut un petit peu partout, qui va se retrouver en duel face à l'Oncrifugeur. Bien joué. Il réussit à prendre la liquidation. Ça envoie tout du côté de Rumbling pour attaquer avec le joli Zator et avec Splatting qui prend toutes les liquidations, ouais, voilà, vers l'avant. Ça y est, enfin, ils ont réussi à le liquider, mais pendant ce temps-là, le stand qui avance inexorablement. Oh, ah, je t'avais dit, un Splatting, il fallait le surveiller parce que son travail au liquidateur pro est exceptionnel. D'ailleurs, on a un tandem plutôt pas mal, hein, l'Ancrifugeur qui a tenu la route. Et ici, oh, Balcalibre 2000 avec l'excellent DPS de l'arme va pouvoir quand même vider un petit peu la zone. Ça y est, Ozone parvient, eux, à récupérer le stand mobile. Ça repart au centre. Oh, oui. Enfin, on va pouvoir s'autoriser un petit peu d'air, quoi. Ouais, cette terre-là qui a été insufflée par Oet qui prend des kills avec son calibre 2000. Ils en avaient bien besoin, ils ont subi un très gros push. 24 points restants, ça a attaqué très fort du côté de Rumbling, et ça tombe bien pour eux, ils sont menés, hein, dans ce match. Il faut qu'ils reviennent au score obligatoirement, Rumbling, s'ils veulent conserver des chances de pas qualification pour la Paris Games Week. Ouais, Snowyus là-dessus qui s'en va malgré les hauts perceurs, le calibre 2000 qui va être très utile, notamment pour aller négocier les duels, même si là il n'y a pas vraiment de duel à négocier. En vérité, la Team Ozone là-dessus qui est forcée, contraint de rester au niveau de la base, ils sont globalement tous liquidés, et voilà que le sniper par contre pourrait déloger les choses, tout du moins c'est ce qu'on l'espère. Il est liquidé. Il est liquidé, Totor, le sniper qui avançait sur le stand mobile. Jolisateur sur It's No Use qui a raison d'elle également. Les joueurs de zone qui attaquent comme un seul homme là. C'est la charge à 4 du côté de l'équipe des jaunes qui vont vers l'avant. Ah, ça va être compliqué de défendre, je pense, s'ils se placent bien là, les joueurs de zone, et s'ils ont bien les spéciaux chargés au bon moment, ça pourrait aller vers l'avant, l'Ancrifugeur qui tombe face à Splatting. Splatting qui a l'air de faire un très bon match pour le moment. Ouais, l'excellent match, hein, regarde comment il est là. Par contre, l'aspirante ici, ouais, on a l'air de bien s'en servir, on va protéger la venue de son collègue, mais le collègue est obligé de immédiatement déprogrammer Totor au niveau de cette hauteur. Là, est-ce qu'on va vraiment bouger de cette hauteur? On a peut-être juste envie de faire la tortue là-dessus, de juste conserver la position. On a beaucoup de points d'avance. Ouais, le propre de Splatoon, hein, c'est quand même que de partir du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et surtout, aujourd'hui, quand on joue contre son traceur, il faut accompagner l'équipe vers l'avant et être capable de trouver toutes les positions sur la carte pour accompagner cette équipe vers l'avant et pour aussi bénéficier de la portée du sniper. Donc Totor qui accompagne plutôt l'équipe vers l'avant. Il va pas rester derrière avec son aspirant. Là, il a essayé porter assistance à ses coéquipiers. Là, il va devoir éviter toute la furie qui s'abat sur lui. Un joli Zator plus Ancrifugeur qui tente de venir vers lui. Ça pousse du côté d'Ozone, mais pour le moment, ça reste un petit peu stérile. Ouais, on voit qu'ils ont compris, hein, les positionnements et qu'ils veulent absolument aller les déloger, mais c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire quand même. Il y a un premier duel, c'était un -1/-1 de part et d'autre. Splatbomb ici, il faut absolument le gagner. Voilà, on remporte le duel et donc du coup on passe dans le dos. Le concentrateur est exposé. La Splatbomb, malheureusement, c'est un peu brouillon, c'est un peu confus. Et on va devoir retourner à la maison pour nos amis de chez Rumbling qui, quand même, s'évite le pire. On est tous en vie, ce qui veut dire qu'on va pouvoir revenir avec de très forts arguments. C'est déjà un -2 le haut perceur pour être sûr de gêner la progression de Fitz qui ne peut pas, malheureusement, s'extirper de la mélasse. Ça joue, mais alors très prudemment côté Rumbling. Ouais, et ça prend les liquidations là avec Steel et son Ancrifugeur. Ça se passe bien pour Rumbling qui est sur le point de revenir au score. Il reste 50 secondes à jouer. Ils ont besoin de la victoire sur cette manche pour continuer dans ce match. Les joueurs de Rumbling, pour le moment, ils la tiennent et ça n'arrive pas à attaquer, hein, du côté de Ozone. Le Jolisateur qui est lancé, il y a un -2 du côté des adversaires. Il va falloir aller vers l'avant. Il va falloir réussir à s'emparer de ce stand mobile du côté des jeunes. Pour moment, ils sont bien loin du stand. Il est inatteignable. Il est surveillé par le sniper de Totor qui prend les kills. Ah, c'est du 1-1, 2-1 d'ailleurs. Attention, c'est peut-être le moment pour aller aux zones d'aller chercher ce stand mobile. On a un duel très bizarre qui est quand même remporté par OS. Alors ça, c'est énorme. Attention, le dernier duel peut-être, la Splatbomb, il se met dedans, personne n'est pris. Le bouclier du calibre 2000 qui viendra se faire respecter. Et alors qu'on était peut-être en voie de retrouver le stand mobile, eh bien nous voici dans une situation fort malheureuse pour nos amis de chez Ozone qui vont devoir aller jusqu'à l'égalisation. Quoique, attention à cet ultime bouclier, ultime tentative. On va aller sur les prolongations, il va falloir absolument gagner tous les duels. Et c'est fait pour Inbox. Le concentrateur est obligé de s'en aller, mais Totor, malheureusement, il n'y a que ça à faire. Un joli Zator. Et il n'y a plus personne pour monter sur le stand. Joli Zator. Le joli Zator qui est parfait, hein, pour stopper la tour dans les derniers instants, dans les prolongations. Un petit joli Zator, ça passe tout seul pour gagner la game. Et Rumbling qui revient au score 1-1 entre les deux équipes. La place pour les quarts de finale va donc se jouer sur la prochaine manche qui sera la dernière manche de ce match. Et alors là, tu vois, la première vraie percée, on peut remercier Splatting.
J'ai l'impression que dans ce match, on peut pas mal dire merci à Spalding. Ah ouais, effectivement, t'as vu la percée qu'il a fait. Il a été énorme sur ses duels. Hein. Il a mis le crabe pour mettre la pression. Ouais. Et c'est pas forcément avec le crabe qu'il a pris les liquidations. Non. C'est ensuite après le crabe, en continuant à aller vers l'avant, en continuant à attaquer. Il a effectivement complètement déverrouillé la game pour son équipe. Ah ouais, c'était assez. Alors que l'Equilator Pro en termes de duel, c'est une bonne arme, oui. Mais on lui préférera d'autres alternatives, hein, je pense. Et c'est pas une erreur de dire ça. Et pourtant, on a fait un moins 1, moins 2, je crois qu'il allait quasiment jusqu'au moins 3 dans les lignes adverses pour être sûr de dégager le passage et faire en sorte de marquer un maximum de points. Derrière, tu l'as dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, on c'est a clair. Repoussé avec Totor derrière, qui a encore une fois été quand même assez... un verrou de qualité, tu vois, pour être sûr que la zone soit quadrillée un maximum et gagner beaucoup de temps derrière le clou du spectacle Jolisator, qu'on va, je vous le disais, voir un maximum de fois aujourd'hui. Eh bien, c'était du tout bon. On sent quand même qu'ils ont une revanche à prendre sur la première carte, sur le pont Esturgeon, où ça s'est pas joué à grand-chose. Et je crois qu'ils l'ont un peu mauvaise, tu vois ce que j'ai dit. Ça m'étonne pas que ces deux équipes rivalisent, en vrai. Ça m'étonne pas. Ouais. C'est deux excellentes équipes. Alors, pas forcément des équipes qui existent depuis longtemps, quoique Ozone, ça va. C'est des joueurs qui s'appelaient pas Ozone avant, mais qui ont l'habitude de jouer ensemble. Rumbling, un petit peu moins. Mais là, par contre, c'est vraiment 8 joueurs qui ont l'habitude du haut niveau, hein, pour le coup, qui sont alignés. Donc, qu'ils arrivent à rivaliser, c'est plutôt attendu. Et là, ils vont devoir jouer la suite du tournoi juste sur cette petite manche là. On va partir en mission Bazookarp sur la banlieue Balibo. Et malheureusement, pour une de ces deux équipes, cette manche marquera la fin de l'aventure sur ce premier tournoi de qualification, en tout cas. Mais bon, il y en aura d'autres déjà, hein, ils pourront revenir. Et j'en profite aussi du coup, évidemment, pour saluer toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Nous, on a commencé à partir des phases finales, mais les équipes jouaient des phases de groupe, hein, à partir de 14h. Oui. Oui. Et elles étaient nombreuses à participer, donc bravo d'avoir participé. On espère vous retrouver sur les prochaines qualifs. Vous pouvez encore tenter votre chance. Et également, sachez qu'il y aura d'autres tournois communautaires organisés par Splatoon France après, en novembre, qui seront aussi adaptés pour les équipes et les joueurs de tout niveau. C'est ça. Merci à vous d'avoir participé encore. Et de toute façon, comme on vous l'a dit, au fur et à mesure et au fil des 4 qualifications qu'on va avoir et qu'on va pouvoir commenter et regarder avec vous, il y aura tout un tas d'autres équipes et de talents français sur place. On va donc se diriger vers la carte Bonlieu Balibo. Voilà, qui va pouvoir départager nos deux équipes. Nous sommes à égalité, si vous venez de nous rejoindre, entre Ozone et Rumbling. On va partir sur une mission Bazookarp. Si vous ne savez pas ce qu'est une mission Bazookarp, vous avez un gros bazooka, vous le prenez, vous l'amenez dans la base adverse. Facile. Dit comme ça, c'est facile. Voilà. C'est vrai que dit comme ça, c'est simple. Allez, on y va. Les équipes qui arrivent sur la banlieue. Avec le Bazookarp qui va attendre dans son bouclier en début de game. Il va falloir casser ce bouclier pour se saisir de ce poisson doré et pour l'emporter le plus loin possible dans le camp adverse. En sachant qu'il va falloir passer par des points de contrôle, des piédestals de contrôle en l'occurrence. Il va falloir marquer l'étape, poser le bazooka sur ses premiers piédestaux. C'est bizarre à dire piédestaux. Ça se dit ça? On est sûr de ça? On vérifiera. On va vérifier, mais je crois que c'est piédestal. On va dire point de contrôle. Voilà. Cas. Et puis et ensuite pour s'ouvrir le chemin jusqu'au chaos. En tout cas, le premier piédestal qui passe pour Splatting. Ah non, il est défendu par Fitz. Il a attendu un petit peu Splatting. Il a bien joué le coup. Et du coup voilà, hein, le premier piédestal qui tombe et l'assaut qui va pouvoir continuer du côté des joueurs de Rumbling qui vont très très fort. Hein. Il y a moins 2 du côté de l'équipe adverse. Oh, le Perceur qui est peut-être là pour sauver un petit peu la défense. Ah non, ça va pas, c'est l'élimination. Oh là 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 là. C'est le full team et du coup c'est la victoire très rapide de Rumbling. Ah là, ils ont pas fait de cadeau là. Ils ont complètement pris Ozone à froid pendant qu'on racontait cette histoire de piédestal. Et Rumbling qui se qualifie du coup pour les quarts de finale ce tournoi. Et bah écoute, il y a eu un très beau relais entre à la fois, encore une fois, Splatting qui a pris le premier checkpoint et on a inversé, c'est plutôt Totor qui a pris derrière, où on a propulsé Splatting plutôt sur les côtés pour être sûr de freiner les tentatives, on va dire, d'escarmouche, hein, puisque c'est une map très en longueur et malheureusement, enfin très en longueur et la hauteur à proprement parler, elle est au niveau du centre, sauf que
au premier checkpoint, on n'a plus vraiment de hauteur à jouer, donc il faut absolument prendre sur les côtés. Splatting a été totalement alerte sur la question et a freiné et a stoppé net toute tentative. Encore une fois, le bras Splatting qui s'affiche comme un joueur de qualité là-dessus. Exactement, et derrière lui, tout le monde a joué son rôle dans cette équipe. Hein, ils ont attaqué ensemble, la cohésion d'équipe qui a payé sur cette mission Bazookarp. Je pense que c'est pareil, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de hasard hein, dans Splatoon. Ils ont voulu attaquer la game tambour battant sur les chapeaux de roue. Et ils ont réussi leur stratégie, leur objectif, les joueurs de Rumbling, là, pour prendre à froid Ozone. Quart de finale pour eux, et puis pour Ozone, du coup, bah, on espère les revoir sur les prochains tournois qualificatifs. C'est pas encore fini pour eux, voilà, il va y avoir trois prochains tournois sur lesquels participer. Et vous voyez du coup tous les quarts de finale affichés à l'écran. Alliance Rogue contre Booyagung, Prominence contre Uprising, c'est celui qu'on va suivre tout de suite. Uprising contre Prominence, Oro Jackson contre Rumbling du coup, et Squidding Good contre l'équipe Pingouin. Oui, Pingouin, en ce moment dans l'univers Nintendo, les pingouins sont en tendance. Oui, on les a vus, les beaux pingouins dans une petite bande-annonce, c'est pas si longtemps que ça. Ouais. Très joli pingouin, avec la voix d'Antoine Thomé hein, sur le trailer, donc moi je ne peux pas être plus heureux que ça. Pour l'instant, ça se passe bien, tout est dans son, on va dire, tout est dans l'ordre. On va commencer à arriver sur les matchs très intéressants et importants, puisque vous avez vu notamment Squidding, Good Booyagang, Alliance Rogue, tout ça ce sont des noms qu'il faut absolument surveiller pour la suite de la compétition. Oh que oui, et là on va suivre un match entre deux équipes également à surveiller. Ouais. D'un côté, Prominence. Alors, le nom ne dit peut-être rien pour le moment parce que c'est une nouvelle équipe composée d'excellents joueurs. Elle a un ex-joueur de l'Alliance Rogue, Obito. Ah, mais Obito sur Splatoon 2. Obito qui est là, qui est le capitaine de Prominence. Et évidemment, dans Prominence, il y a aussi d'autres excellents joueurs qu'on va découvrir quand ils arriveront. Et puis de l'autre côté, il y a Uprising qui est aussi une équipe assez forte de la communauté et du coup qui va jouer crânement sa chance aussi pour la qualification. Ah, il y a une rivalité ici à aller chercher entre l'Alliance Rogue et Prominence de fait, puisque bah, si on a un ancien de la composition, un ancien du mix versus le mix à jour, ça peut toujours donner des petites histoires un peu intéressantes. C'est j'ai hâte de voir ça hein. Et il y a 1 à 0 actuellement pour Prominence dans cette petite histoire intéressante, puisqu'ils se sont déjà rencontrés sur des tournois organisés dans la communauté et Prominence l'a emporté face à l'Alliance Rogue. Bah, voilà. Donc il y a une revanche à aller chercher. Une revanche à aller prendre. Ouais. J'allais prendre pour peut-être demain. Voir ça, hein. Peut-être qu'ils vont se rencontrer un petit peu plus tard dans le tournoi, peut-être en finale. Bon, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que la finale, on va bien manger. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je pense que là, on va bien manger quoi qu'il arrive. Ça va être assez exceptionnel. On rappelle que pour l'instant, c'est du BO3 et que nous allons nous diriger. Là maintenant, on fait du BO5 là. Oui, enfin, tout ce qui est, pardon, ce qui était arrivé jusqu'à maintenant, c'est du BO3. Et donc, du coup, pour les phases vraiment finales, donc à partir. Globalement quart, demi et donc finale, ça va être BO5. À noter que la finale sera en BO7. Exactement, la finale là, ça va être un match extrêmement important, extrêmement compétitif. C'est la place à la Paris Games Week qui se joue, donc là effectivement ça se jouera en 4 manches gagnantes. En attendant la finale, ce sera 3 manches gagnantes désormais entre les équipes. Il y a les joueurs de Uprising et de Prominence qui sont en train de rejoindre. Oui, le match va commencer dans pas trop longtemps. J'en profite pour saluer les organisateurs du tournoi hein, avec qui je suis en contact pour que tout se passe bien. Bravo pour le boulot les gars. Et évidemment, salut à vous dans le chat. On vous lit aussi. Hein, voilà, n'hésitez pas à supporter vos équipes favorites, évidemment. Ouais, ça c'est. En plus, on aura de quoi faire. Bon, en plus, là avec la Paris Games Week de cette année, moi je sais que c'est toujours un moment donné, un moment fort. Hein, les finales, comment dire, des championnats de France de Splatoon, c'est toujours le moment où tu sais, je suis toujours à Paris Games Week en train de traîner, de me balader, etc. Je me pose et je regarde. Tu vois, c'est le moment où je me pose, je regarde et j'apprends surtout, parce que en tant que joueur de calibre, piètre joueur de calibre 2000. Oh, sois pas si dur avec toi-même. Ouais, hein. Piètre joueur. Je gagne des duels de temps en temps. Voilà. Je place un bouclier sur 3 qui est pas mal. Les ultis, c'est encore complexe. Quoique ça va, c'est pas le pire ulti à mettre de l'histoire. Ça va, mais quand même. Même si, de temps en temps, ça passe sur mon chat et ça me dit « Mais attends, mais tu fais vraiment ça ?» Et je suis en mode « Oui, mais tu sais ils que sont c'est bienveillants du... avec toi ou ils ça se va. Moquent un peu ?» Non, ça, bon, ça se moque un peu, mais en fait, je me moque de moi aussi. C'est sûr tu vois. Qu'ils se sont pas moqués quand t'as essayé d'envoyer une petite palourde dans un panier non percé. Je crois qu'il y a, eu moquerie là. Il y a eu moquerie. Ouais. Ou alors, tu sais, c'est le moment où tu as le ballon. Tu le lances, mais non. Mais non. Non, mais pour ça, il faut avoir. Faut, comme au basket, il faut prendre le coup. Il faut mesurer la distance, il faut faire des tests, il faut. Ouais, effectivement. Oui, t'as quand même l'air d'un gland hein, quand ça arrive. Un petit peu.
un petit peu, j'avoue. Ouais. Alors que toute ton équipe est derrière. Ouais. Toute ton équipe, c'est bon, allez. Et te maudit. On te regarde. Te maudit au moment où tu le fais. T'imagines tes collègues qui sont là, qui attendent que tu marques, qui. Oh non, il a raté. Alors du coup, en stream, ça s'est passé. Moi, j'ai un collègue qui, pareil, fait ça. Il le met à côté où c'est trop court. C'est... Et du coup, je fais oh, mais quel gland. Et après, dans le chat, ça dit mais attends, mais il y a 2 minutes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était moi. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Is ok. En tout cas, on va se diriger vers le prochain match. Les équipes, mon cher Dimitri, pour la prochaine rencontre, quelles sont-elles? On a Prominence et on a Uprising. Et on attend encore un joueur, me semble-t-il, dans la liste du côté de Prominence avant de pouvoir lancer ce match. Alors du côté de Uprising, hein, on va retrouver les 4 joueurs classiques de Uprising. Oreo ST, Glash et Lidl. Et du côté de Prominence, accompagnant Obito, on va avoir Bray, Xerxes et Velos, qui sont aussi des joueurs très connus hein, dans la communauté, qui ont joué dans différentes équipes et toujours au plus haut niveau. Ouais, Velos qui... Là sur Splatoon 2, il me semble. Bien sûr, ils étaient tous sur Splatoon 2, un beau niveau. J'avais un doute sur Velos. Velos et Bray qui se connaissent très très bien, puisqu'ils ont joué ensemble dans la même équipe qui s'appelait Grape Juice. Et du coup c'est pareil, il y a toujours des petites cohésions qui se font dans les équipes, ce qui fait qu'on a beau avoir de nouvelles équipes, les joueurs se connaissent quand même et il y a quand même des petits bouts de collectif. D'ailleurs Bray qui joue Pinceau je crois, il avait pas joué Pinceau sur les derniers tournois BTV? Je ne crois pas. Non. Non non, Bray c'est une image plutôt un joueur de compresseur. J'avais une image de ça, mais je dis c'est probablement une bêtise de ma part. Hein. Mais un épinceau, il y en a un du côté de Uprising. Alors là, il n'est pas aligné, c'est Lucas, sinon, qui joue très très bien l'épinceau. Mais là, apparemment, il ne fait pas partie des 4 alignés, en tout cas pour le moment. D'ailleurs, l'épinceau, où est-ce qu'on se situe dans la méta pour l'épinceau? Parce que je vois un peu tout et son contraire. On n'est pas trop sûr encore peut-être de savoir où placer cette arme. Bah, les pinceaux, c'est une arme qui de fait déjà est quand même un petit peu compliquée à jouer. Ouais. Hein, faut dire la vérité. Quand tu joues très bien les pinceaux, tu peux sortir de très bonnes games. Hein. Et y a vraiment pas photo là-dessus. Là aussi où ça rend son utilisation compliquée, ça va être son set d'armes secondaires et d'armes spéciales. Ouais, bien sûr. Où là aujourd'hui, voilà, c'est peut-être pas le set le plus remarquable actuellement. Il va falloir peut-être attendre de voir les autres variantes des épinceaux qui pourraient sortir pour voir si il va être un petit peu plus joué par les compétiteurs. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai que les pinceaux, par rapport maintenant mis en peut-être en difficulté par les Klatanas, hein, qui là on est toujours en train de comprendre comment est-ce que ça peut se positionner les Klatanas dans des compositions. Oui. Ouais, ouais. Mais je vois déjà de très belles choses arriver pour cette arme qui, je crois, personnellement, je l'ai peut-être un peu trop sous-estimée au début de Splatoon 3. Encore une fois, c'est à haut niveau qui me feront dire ce qu'ils en pensent. Hein. Moi, je ne suis qu'un honnête, un honnête en S, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est même déjà très très bien. C'est très très bien en S. Ah bah non, ouais. Je pensais pas que t'étais en S. Ah si, je suis en S. Ah, je suis en S. Écoute. Bravo. Je dose, mais qu'est-ce que tu veux, on fait pas semblant ici. On fait pas semblant. Allez, ils sont arrivés tous les joueurs qu'on attendait, ils sont en train de se préparer dans le salon. Choix des armes et des équipements, hein, parce qu'on a commencé à en parler un petit peu des armes. Chaque arme a sa particularité principale. Tout à fait. Ensuite, il y a un secondaire attaché à l'arme qui va être par exemple les bombes splash qu'on a vues. Voilà. Et il y a aussi évidemment l'arme spéciale et vous avez pu en voir un petit peu le crabe d'assaut, le super bouclier. Et du coup, il faut faire les bons choix avant de lancer la partie et puis adapter ses choix en fonction de la map, du mode et puis pourquoi pas de l'équipe adverse si on la connaît. Tant de stratégies à mettre en place dans le jeu. Ouais, c'est ça qui donne un petit peu hein, la richesse des compositions. Alors évidemment, en début de méta comme ça, on va avoir tendance à d'abord partir dans tous les sens, puis se figer sur des valeurs sûres, voilà. Ou à pas prendre de risques et à rester sur ce qu'on connaît. Hein, étant donné qu'il y a des armes qui reviennent de Splatoon 2 en l'état, il y a aussi cette possibilité-là de rester sur ce qu'on connaît, ce qui nous rassure en fait. Hein, voilà. Alors qu'il faut prendre des risques dans la vie. Il faut prendre des risques pour la vie, ça c'est vrai. ça tu ne me feras jamais dire l'inverse. En tout cas, nos joueurs qui sont quasiment prêts, on attend le dernier joueur qui va pouvoir se lancer. On va donc pouvoir partir dans la première carte entre Prominence et Uprising. Nous avons quitté le domaine du BO3 pour la pluie de palourdes. BO5 de fête entre nos deux équipes. Prominence en jaune pour avoir Uprising en bleu, de la pluie de palourdes. Voilà, c'était le mode de jeu qui nous manquait en finale depuis le début, depuis l'ouverture de ces qualifications. Les fameuses pluies de palourdes, c'est un petit peu le mode le plus compliqué à comprendre dans Splatoon. Vous voyez, il y a des petites palourdes par terre qu'il va falloir ramasser. Une fois qu'on joue
qu'un joueur en porte 8, il compose une super palourde et la super palourde va permettre de percer, de briser le panier adverse. C'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre les petites palourdes dedans et marquer le maximum de points. Et alors là, tu vois, il y a deux centrifugeurs côté Prominos et deux calibres 2000. Pour, non, pardon, un calibre 3000 et un calibre 2000, pardonnez-moi. Donc ce qui veut dire qu'on a quand même... voilà, on se fige autour de l'utilisation de ces calibres et de cet centrifugeur. Oh, attention, ça c'est Bray qui a malheureusement est tombé. Le calibre qui va faire toute la différence. Et attention parce que là, c'est un moins 4, c'est gratuit sur de simples duels. Et alors là, ça ne m'étonnerait même pas qu'on aille un chaos si on arrive à poser durablement le siège. Est-ce que toutefois, on va y arriver? Ils essayent de le poser durablement avec Oreo qui avait mis son aspirant pour commencer ce siège justement sous le panier. Ah, il est liquidé, il y a un jouglisateur derrière qui vient, mais Obito qui fait le ménage. Le panier qui est défendu du côté de Prominence avec Obito qui continue dans sa folie meurtrière. Ils vont pouvoir contre-attaquer maintenant Obito qui va très très vite vers l'avant. 50 points restants, le lance-tornade qui... le lance-rafale pardon qui a été lancé, mais annihilé par ST. Ils se sont liquidés les deux joueurs. Littéralement. Parce qu'on a encore là, on n'a pas vraiment beaucoup de palourdes. On a un jouisateur, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Il va être purement défensif. Bray là-dessus qui tente de trouver de l'arme. On n'a pas de palourdes encore. Ça y est, on a un ballon. Allez, il faut aller absolument appuyer pour avoir quelques précieux points. Ça y est, c'est fait. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir faire la percée. Quoi qu'il y a un moins 1, il y a deux encryptures qui restent. Attention, Bito sur la gauche qui permet justement à son équipe de se frayer un chemin. On n'arrive pas à mettre de palourdes. C'est malheureux. C'est que 20 points de mi et on va aller du coup sur 10 points de pénalité. Là, ça commence à être un peu compliqué. Une situation fort confortable. Uprising. Voilà, là c'est vraiment tout ce qu'on a vu, c'est un des enjeux de l'appui de palourde. Il faut être à la fois capable de pêcher, d'être dans le camp adverse, mais il faut aussi avoir une bonne collecte de palourdes. Et il n'y a pas eu les palourdes suffisantes là pour marquer des points du côté de Prominence, alors qu'il y avait une super palourde disponible, celle de revanche, celle qui est accordée à une équipe qui a vu son panier brisé. Ils n'ont pas pu l'emmener à bon port, ils n'ont pas pu marquer des points avec. Ce n'est que partie remise, ils vont essayer d'aller vers l'avant, mais ça va être dur. Parce que derrière là en défense, à la tour de contrôle l'extincteur de Lidl qui prend l'utilisation. Bien joué, bien joué. Ce joli Zator, voilà, qui est d'abord défensif. On a pris quelques points, mais enfin, pardon, on a justement pas mis de points du tout. Alors ce joli Zator là, il est peut-être là pour préparer le terrain, sauf qu'il y a un duel qui est remporté à moins 1. Fabuleux. Oh là là, il se défend bien. Qu'est-ce que... Alors là, derrière une épaisse plaque d'encre, rien ne passe pour l'instant. Et défensivement, ça a l'air d'être bon. Il y a beaucoup de palourdes au sol. Et regardez comment il est fait comme un rat. Comme un rat, c'est terminé pour le brave Ratatouille ici qui va quand même pouvoir proposer un joli Zator. Est-ce que ça prend le duel? Ouais, il a l'air de se déguerpir de là-dessus. Ça reste en vie, hein. Ils vont pouvoir aller vers l'avant. Ils sont vers l'avant, les joueurs de Prominence. Ils attendent que cette super palourde remportée par Xerxec. Ça serait qu'il ne pourra pas passer pour le moment parce qu'il y a un aspirant face à lui. Il va passer par le fil d'encre, il va passer par au-dessus. Oh, le chemin est défendu. Il ne pourra pas passer. Hein. Il a été pris par derrière alors qu'il tentait de s'infiltrer. Xerxec, attention à la contre-attaque. Il y a un full team. Ils ont le champ libre, les joueurs de Uprising, pour continuer à marquer des points. Pourquoi pas? Lidl à l'extincteur là-dessus, il fait un très beau travail. Regarde comment il est en train de scinder la défense en deux. C'est bien ce qu'il est en train de faire, la passe à Oreo. Il y a Clash, attention, Calib, il n'a pas été vu. Est-ce qu'il trouve un duel? Il n'en trouve pas. Pour l'instant, il n'y a pas de liquidation à déplorer de part et d'autre. C'est pas mal. L'extincteur sur cette position pivot exceptionnelle qui appuie sur la carte et empêche malheureusement les gens de chez Prominence de sortir de chez eux, tout simplement. Ils sont bloqués, mais là, ils attaquent ST assez fort. ST qui se fait une première fois. Mais non, et une deuxième fois, il se fait liquider, mais il n'est pas parti pour rien. Il a pris deux liquidations. Deux. Il permet à son équipe là d'être très très bien dans cette partie avec Oreo qui s'approche du panier. Ah, il a pas pu passer, il s'est fait liquider par Obito qui a défendu. Ouh, la partie qui est complètement verrouillée qui pour le moment reste à l'avantage de Uprising. On a un ulti de part et d'autre sur le liquidateur notamment. Alors ça, voir ce que ça va donner sur le liquidateur. Obito qui parvient à remporter son duel. Attention à Velos. Ouh, Clash, regardez Clash en ninja quand même. Il doit s'en aller, il le sait. Lidl avec son extincteur qui encore une fois fait un travail exceptionnel. Travail de fond, hein. Voilà, c'est pas le travail le plus flashy de l'histoire, mais tu sais qu'avec Clash normalement, voilà, c'est les joueurs de l'ombre, c'est les mecs sur qui tu peux... C'est le mec qui a la voiture. Oh, il a tenté de se faire attaquer là justement par le lance rafale d'Obito, mais il s'est mis à couvert. Lidl, il est resté en vie. La tour de contrôle de Uprising. Oh, le jeu qui est tellement bien mis sur le chemin d'Obito, il a pas pu survivre. Ils n'arrivent pas à emmener la super palourde dans le panier adverse. Ils n'arrivent pas à passer les joueurs de Prominence pour le moment. La défense de fer de Uprising qui tient bon. Lidl, hein. Lidl à l'extincteur. Personne viendra le déloger d'ici. Il a posé tous les meubles, la télé, il a connecté la fibre. Il ne bougera pas d'ici 10 secondes à aller chercher pour l'instant
important pour nos amis de chez Prominence qui ne parviennent pas à rentrer dans cette zone de confort de nos amis de chez Uprising. Et donc, c'est tout naturellement qu'on arrive vers les prolongations, ma chère Dimitri. Et ouais, et attention parce qu'elles vont passer vite ces prolongations. Il va falloir trouver le détonateur là. Il va falloir avoir le déclic du côté de Prominence avec une équination qui est prise sur ST. Oh, moins deux. Attention, ça va pouvoir passer. Oh, la super bagarre qui est liquidée. Il faut la récupérer. Oh, il se fait liquider aussi. La défense qui tient bon. La défense qui tient bon dans les derniers instants. Uprising qui la tient cette première victoire. Ouh, ça augure que du bon pour la, la suite du match. Pour la vache. On va être très très bien avec ces deux équipes. Pour la vache, j'ai déjà une pression artérielle à trois chiffres. C'est exceptionnel. Pareil, j'ai un petit. Un petit chaud. Un petit show fessier là-dessus, mais c'est bien ce qu'ils sont en train de nous proposer, nos amis de chez Prominence et de Prising. Quelle, pour l'instant, première carte. Alors, vraiment, et je tiens à le dire, tu vois, même s'il y a eu un moins 2, Lidl avec son extincteur. Ils ont tenu bon là. Indélogeable. Ils ont tenu bon derrière. Mais tu fais comment ? Malgré le moins 2, quand il y a un moins 2, on n'est vraiment pas dans une bonne situation. C'est pas dingue. Faut qu'il y ait les copains qui restent, qui tiennent la baraque. Et ils ont tenu la baraque du côté de Prising. Ça, c'est le genre de victoire qui fait aussi énormément de bien au moral. Ah ouais, mais franchement, je repense hein, à cette situation où t'as un extincteur qui littéralement verrouille le. Comment est-ce que tu fais? Parce que là, faut contourner, faut passer véritablement par les côtés, essayer de le déloger. Malheureusement, ils n'avaient pas d'armes. Enfin, je dis, ils n'avaient pas d'armes à porter, mais il y avait comme un encrifugeur. Alors, on ne peut pas aller chercher le duel en frontal. Ils ont tenté de l'avoir à plusieurs reprises avec le lance-rafale d'Obito. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Lidl qui a toujours fait en sorte d'être à couvert. Voilà. À partir du moment où tu sais qu'il y a un lance-rafale en face, tu adaptes aussi ton jeu en étant un petit peu safe, un petit peu prudent. Lidl qui a parfaitement joué le coup. Oui, t'as raison. Ce lance rafale, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je le trouvais pas très impactant, mais c'est justement parce qu'il cherchait à déloger Lidl il a été utilisé souvent pour ça, hein, pour aller chercher Lidl. Hein, tout à fait. En tout cas, pour l'instant, Uprising qui suivent une première carte et qui du coup, bon, on va aller. Bon, je vous rappelle que c'est du BO5 hein, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait déterminé. On va aller sur quelle prochaine carte, mon cher? On va aller en défense de zone sur la galerie Guppy. La galerie Guppy qui est une carte de Splatoon 1 qui revient sur Splatoon 3 et qu'on retrouve avec plaisir. Il va y avoir du coup cette zone à défendre au centre de la galerie Guppy. Et autour de cette zone, vous allez voir, c'est assez rigolo. Il y a des espèces de petits tourniquets qui permettent un petit peu des dingueries autour de la zone. Ouais. Et ça peut être aussi très intéressant pour les longues portées, hein, cette galerie Guppy. Tout à fait. Moi, Guppy, chaque fois, ça me fait penser à un autre jeu, 3 sur Nintendo Switch d'ailleurs. Binding of Isaac, c'est avec avec la transformation Guppy. À chaque fois, je visualise Guppy, hein, vraiment à chaque fois. C'est terrible. Matrixé, absolument. En tout cas, on va donc pouvoir aller sur cette fameuse galerie Guppy pour aller chercher soit l'égalisation, soit enfoncer encore un petit peu plus le clou 2-0. Hein, il s'agirait pour l'une et l'autre des équipes de se faire entendre. Quand même, on voit que là-dessus, la pluie de palourdes a été tellement bien géré, hein. Ça a été assez cosmique. Mais là, la défense de zone, s'ils arrivent c'est à placer. C'est un autre mode. Hein. Ah, c'est un autre mode, mais s'ils arrivent à être défensivement aussi fort. Ça peut être dur hein, pour Prominence. Prominence qui peut déjà se retrouver en grande difficulté si Uprising remporte ce deuxième point. En tout cas, je pense qu'ils vont faire en sorte de ne pas être en difficulté, de se faciliter la tâche sur cette défense de zone avec du coup les compositions. Et Lidl qui fait un gros changement puisqu'il passe au détonneur. Alors détonneur, là je suis assez curieux. D'ailleurs, il y a aussi un marqueur en face, hein. Enfin, dans la même équipe justement, marqueur léger si je ne dis point de bêtises. C'est ça. Qui va donc pouvoir peut ajouter de mix dans cette composition. Ce tourniquet, le voici au milieu, vous le voyez, il permet eh bien, si les conditions sont réunies, d'aller immédiatement dans la base adverse, tout du moins exactement. De s'en rapprocher. Ouais, ça peut être assez un enjeu important hein, évidemment, de monter dans le camp adverse et d'aller prendre des adversaires très très haut pour les empêcher évidemment d'approcher la zone. Pour le moment, cette zone elle est encore et toujours hein, pour Uprising avec Flash par en dessous qui prend un très bon kill, le Sonar Paf qui ne va pas rester longtemps ici à gêner ses coéquipiers, et pour le moment les joueurs de Prising qui tiennent bien et qui poussent très très loin de la zone les joueurs adverses de Prominence. Moins de 50 points d'ores et déjà, ils sont un peu mal placés nos amis de chez Prominence. Alors on vient se
regroupés autour de Velos, certes, mais là on a une grenade rebondissante qui va encore une fois faire l'office. La pluie qui contraint justement nos amis à repasser sur la gauche, sauf que bah voilà, ça fait gagner du temps. Moins de 30 points, c'est déjà énorme, alors que ST est en train de danser avec le sniper Obito sur le lance rafale. Ça y est, on arrive à prendre une liquidation. Il a le kill sur Lidl enfin avec son lance rafale. Attention parce qu'il n'y a plus que 10 points, il faut aller attaquer du côté de Prominence, il n'y a plus le choix, il faut la reprendre cette zone. Il ne vise pas la zone, il vise les joueurs. Et il... oh, la réduit des comptes à un point. C'est bien ça. Il faut peindre à fond, il va y avoir une bataille finale. Elle est conservée finalement hein, par Uprising qui n'a fait qu'une bouchée de Prominence sur cette défense de zone. Ah là malheureusement, alors on a cherché les éliminations sur cette fin de match. Alors je crois que le sniper, on lui avait donné cette tâche hein, de devoir faire les éliminations. Ça galérait un petit peu, on est venu porter assistance, sauf que derrière on ne joue pas l'objectif, tout naturellement on perd la carte. À noter quand même que ST là-dessus, il a tellement bien joué, genre en dessous. Très très bien, oh, très aligné, bien placé. En fait. Hein. En défense, ils ont été ultra vigilants, les joueurs de Prizing. En termes de placement, c'est tout ce qu'il fallait faire. Parfait. Toute l'équipe alignée sur toutes les possibilités d'avancer des adversaires et chacun a bien tenu son rôle, a bien tenu son périmètre et ça leur a permis de faire défiler le compteur finalement bah, jusqu'au bout, jusqu'au chaos. Prominence a été inoffensif sur cette défense. Ouais, là, c'est malheureux et tout à l'heure, je vous disais que cette map, pour l'instant, la prochaine carte, celle-ci, hein, celle qu'on vient de voir, n'était pas définitive. Là, par contre, c'est là qu'on commence à, tout doucement mais sûrement, serrer les parties charnues de l'anatomie, puisque nous sommes à une carte d'avoir un 3-0. Exactement. C'est une petite manche décisive là hein, qu'on va vivre sur la canyon aux colonnes, le canyon aux colonnes. En expédition risquée. Voilà pourquoi je voulais parler au féminin. Cette expédition risquée, le mode qui va nous être donné de vivre ensemble. Un seul point à marquer pour Uprising et c'est les portes grandes ouvertes pour la demi-finale. Donc important pour eux. Ça c'est stylé. Expédition risquée, j'arrive toujours pas à savoir si mon mode de jeu préféré en compétitif reste l'expédition risquée ou la défense de zone. Je pense que pour la plupart des joueurs, ce sera plutôt la défense de zone. Ouais, ouais je pense aussi. La défense de zone reste ce mode roi sur Splatoon. Ouais, voilà. C'est vrai que... Ouais, non, mais ça, j'en doute pas que les joueurs... ça reste le mode roi. Il y a tellement de mécaniques différentes qui se mêlent et se confondent dans ce mode de jeu. C'est pour ça qu'il est excellent. Et tiens, d'ailleurs, vous, dans le chat, hein, votre mode compétitif préféré entre bah, pluie de palourde, mission bazookarp, expédition risquée, défense de zone, c'est quoi la vôtre? Toi, mon cher Dimitri, tu t'orienterais vers quoi? Alors, ils ont le droit aussi d'aimer guerre de territoire, hein, évidemment, hein, même si on le voit moins en compétition. Là, je parlais des modes de cette compétition. Moi, honnêtement, je pense que le mode sur lequel je suis le plus à l'aise, celui que je préfère jouer, c'est l'expédition risquée, moi aussi. Ah ouais, très bien. Très bien. Ouais. Avec un petit calibre 2000 au perceur. Là. Ah voilà, ça c'est stylé, tu vois. Ça, j'avoue, je prends du plaisir. Ah, j'avoue. Au perceur. Et là, on parle des modes compétitifs, en quelque sorte, mais il y a aussi, évidemment, plein d'autres possibilités de jeu sur Splatoon 3. Le Salmon Run, hein, qui est aussi excellent quali pour jouer avec ses copains. Alors on n'en verra pas aujourd'hui hein, mais ça reste aussi une possibilité de profiter du jeu. Et c'est la manche ultime décisive dans ce quart de finale qui se lance. Ouais. Avec Prominence en jaune et Uprising en bleu violet. Et du coup là il va falloir jeter toutes les forces sur le stand mobile. À noter quand même que la composition des Uprising est exactement celle de la pluie de palourde hein, qui leur avait valu notamment une victoire, alors que eh bien, pour nos amis de chez Prominence, double ancré fusion, liquidateur junior et liquidateur. Donc on aura quand même ce liquidateur junior qui est très utilisé en expédition risquée parce que l'ultime est en fait un immense bouclier que vous allez pouvoir positionner sur la tourelle. Et donc bah, ça défensivement et pour gagner du temps, c'est quand même assez exceptionnel. Le lance-rafale est d'ores et déjà disponible. Ouais, le lance-rafale qui prend une liquidation et ça attaque fort du côté de Prominence. Hein. J'ai l'impression que ça veut pas se faire avoir ce coup-ci du côté des jeunes de Prominence. Oh. Ça va vers l'avant, ça prend les liquidations et le stand qui avance. Ah, dommage, et qui n'avance plus, du coup, il y a Glash qui a réussi à prendre la liquidation sur le stand pour retarder l'échéance. Ouais, surtout Obito qui s'est manqué sur le duel en fait et qui a laissé Glash s'en aller pour aller immédiatement subtiliser la tourelle. Ça y est, le lance-rafale est disponible. Il va utiliser. L'aspirant en face. Hein. Ouais, coup, là, il a ça. Oh! Et il a eu quand même tant qu'à faire, voilà. L'aspirant posait problème de son côté, il a changé de position et il a pris le kill. Alors là, il fait un excellent travail par contre, notre bravo Bito. Là, la bombe collante avec Glash qui est quand même pris entre deux feux, est-ce que ça va fonctionner pour lui? Il fait jeu de la perspective avec son bouclier. Le duel est annoncé, lancé, mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir un vainqueur. Quoique, il est fait comme un rat, notre brave. Et ça y est, qu'il est donc tombé aux mains de Prominence qui s'en vont, qui s'envolent et qui d'ailleurs s'en veulent surtout d'avoir perdu les deux premières maps. Super bouclier dont tu parlais sur le stand mobile qui marche très très bien. Il est en sécurité, Velos derrière son super bouclier pendant un peu
petit moment, le jolisateur, pour retarder l'échéance du côté d'Uprising. Uprising en grande difficulté hein, sur cette expédition risquée pour le moment. Il y a encore Bray qui est en vie. Attention derrière, Bray qui va peut-être réussir à trouver des liquidations qui sont importantes. Il envoie son jolisateur vers l'avant. Il reste en vie pour le moment et il prend même les liquidations. Bray, ça y est, enfin, il est anéanti par ST. Un push énorme à 7 points restants. TPK Uprising qui va devoir contre-attaquer très fort. Voilà, contre-carré, contre-attaquer très très fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette bande splat qui gêne un petit peu. Hein. On sent que là, la contre-attaque est timide. Hein. On se réorganise doucement. Alors certes, on a un moins 1 avec lequel on va pouvoir peut-être composer. L'encrifugeur ici est un poil en contrebas. Et Lidl, bien positionné, fidèle à lui-même, continue de eh bien, balancer moult pruneaux sur la composition adverse. Composition adverse qui s'est d'ores et déjà réorganisé, et tu vois qu'on n'a pas grappillé tant de points que ça. Non, non, le Uprising qui n'ont pas du tout réussi à aller vers l'avant, hein, Prominence qui est bien en place sur cette expédition risquée et qui sont vigilants. Allez, il y a un nouveau lance-rafale d'Obito qu'on voit derrière Xerxes. C'est Xerxes qui finit par ramasser la liquidation, hein, sans doute bien aidé par Obito qui a affaibli l'adversaire. Ça part par l'avant, à coup de jolisateur, à coup de bombe gluante, Prominence en contrôle. En contrôle, attention à Glash hein, peut-être. Ils sont un petit peu frontal Obito qui fait un excellent travail hein, depuis tout à l'heure. Là, alors là, justement, le bouclier, le joli ici, on va vite repoper hein, pour Obito. Ce qui veut dire que là, on continue de faire avancer ce front. L'extincteur de Lidl est bien positionné, mais on sent quand même que là, c'est un peu un poil plus complexe. On a beau avoir la même composition et le même mix d'armes que eh bien, tout à l'heure à l'accoutumée sur la pluie de palourdes. Là, yikes, on est en train de traîner un petit peu de la patte. Ouais, ça prend les liquidations quand même un petit peu du côté de Uprising, mais ça se répond bien en fait. Hein, là, au niveau des liquidations, ça se répond du tac au tac. Ça prend les revenge kills, ce qui fait que pour le moment, la partie qui se verrouille et qui tourne globalement à l'avantage de Prominence, qui mène avec une avance plus que confortable. Hein, 7 points restants contre 93 points restants. Il reste 1 minute 25 à jouer. Uprising qui ne trouve pas la solution pour aller vers l'avant. Non, 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 là c'est complexe. On a un Lidl. Alors certes, Lidl fait un très bon travail de soutien, de support, mais on a du mal à aller chercher des duels vraiment intéressants. C'est dommage. En plus, on a un calibre 2000, calibre 3000, deux armes qui peuvent être quand même taillées pour les duels. Mais là, c'est complexe à aller chercher quand on sait que deux encryfugeurs, ça joue de très loin les encryfugeurs, donc ça empêche les passages en force. Encore une minute restante. Il y a moins deux hein, du côté de Prominence. C'est peut-être le moment pour Uprising d'enclencher un nouvel assaut. Il reste effectivement 50 secondes à jouer. Il faut réussir à marquer des points. Uprising qui lance l'assaut avec Lidl sur le stand mobile. Il fait parler sa longue portée, évidemment, la longue portée de son extincteur. Lidl sur le stand. Oh, il se fait liquider. Il se fait liquider par un coup de bombe splash très bien lancé dans ses pieds. Mmh. Et alors là, Jolisator qui viendra avec l'aspirant d'ailleurs déloger le tout, mais voilà, va falloir faire vite. Hein. Attention à Auréo Glash, voilà, qui prennent deux duels absolument indispensables pour la suite des opérations. Il faut absolument. Hey, il se rate là-dessus, malheureusement. Ouais, Glash, c'est dommage parce que ça aurait été une prise de position avec ST. Ouais, mais là, il faut absolument voilà, l'aider ST. Le Jolisator qui contraint justement les bleus. Là-dessus, nos amis de chez Uprising de recontourner la menace. Attention à Glash, il est encore en vie. Ça permet d'aller pousser encore un petit peu. Il reste 10 secondes. L'aspirant, très défensif. On peut aller chercher cette prolongation. Allez, va falloir défendre ce stand du côté de Prominence s'ils veulent remporter cette manche. Ça avance du côté de Uprising. Lidl qui va lancer son jolisateur. Il le lance sur le stand hein, pour regarder être sûr. Oh, oh là là, défensif qui est très bien. Il s'était pétri. Et ouais, voilà, évidemment. Évidemment, le jolisateur en défense qui ruine tous les espoirs de Uprising. Prominence qui revient dans la partie 2-1 désormais pour Uprising. Première balle de match sauvée. Il y a eu un contre-temps, il y a eu le jolisateur qui a fait le moins 2 et il y a eu le contre-temps, je crois que c'était, alors je ne sais plus qui a réussi à se dépêcher, je crois que c'était peut-être ST qui est tombé sur la tourelle au moment où le jolisateur s'est terminé. C'est dommage, il y avait un contre-temps très intéressant à aller chercher. Bon, 2-1, ils reviennent. Ça y est, enfin, un petit peu d'espoir, on va pas partir sur un 3-0. Et non, Prominence qui évidemment a encore des choses à dire et ils vont jouer crânement leur chance pour la suite de ce match. Ils sommes une première balle de match. On va partir désormais en mission Bazookarp sur le supermarché Cétacé. C'est ça. Mission Bazookarp qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors tout à l'heure c'était le full team hein. Splatting, on rappelle, avec Totor en tandem hein. C'était la victoire de Rumbling tout à l'heure sur la mission Bazookarp. On va voir si pour la prochaine mission Bazookarp on aura le même état de jeu, c'est-à-dire bah il m'est expédié, j'y crois pas.
Je pense que ça peut être plus verrouillé entre ces deux équipes. On sent qu'il peut y avoir une tension. Alors, à part si vraiment dès le début, hein, y a une équipe qui s'effondre quelque part, hein, ouais. Sous la pression ou qui est vraiment surprise de l'agressivité adverse, je pense qu'il y a moyen que ce soit quand même un petit peu verrouillé entre ces deux équipes. Là, de toute façon, plus on va avancer dans ce quart de finale, plus il va y avoir de la tension et plus ils vont avoir peur, hein, d'aller vers l'avant, plus ouais, ils vont vraiment rester un petit peu sur le reculoir à attendre les opportunités. C'est donc une mission Bazookarp qui risque d'être un petit peu plus tendue, je pense. Alors qu'on annonce déjà un River Sweep dans le chat, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir gentiment invité à se faire tuer. Puisque là, River... Alors, si toutefois il y a River Sweep, GG pour le pronostic. Moi, j'ai toujours été très mauvais pour le pronostic. On garde son nom, du coup. On garde le nom. Si vraiment c'est River Sweep, alors là, pronostic exceptionnel. Allez, on les rejoint directement sur le supermarché CTAC qui revient de Splatoon 2 avec un grand plaisir, une carte très aimée par les joueurs compétitifs. Le Bazookarp qui attend tranquillement dans son bouclier au centre du supermarché. Alors qu'on a troqué un calibre pour un liquidateur. Très intéressant ce choix de liquidateur qu'on va pouvoir retrouver. Alors que voici donc Lidl toujours sur son extincteur excellent depuis tout à l'heure, on peut dire que ça a été un peu rare. Il a attaqué hein, sur le côté, mais il réussit quand même à prendre l'entre-liquidation Lidl. Et là, il y a eu un coup de lance-rafale très très bien joué. Mais les équipes sont bien en place et ils arrivent à chaque fois à prendre la revanche hein, sur le joueur qui prend la liquidation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de supériorité numérique pour le moment sur le terrain. Le Bazookarp qui reste planté au centre. Planté au centre, c'est le cas de le dire. On joue Isator, on va le contourner tout naturellement. Voilà, quelques balles dans Cryfugeur. Il est tout à fait liquidé, Bray, sur une excellente opportunité et une excellente opération. Le duel qui s'engage avec Glash. Et pour l'instant, Glash parvient à s'en aller. On a un jeu Isator de disponible pour Prominence. A noter que pour l'instant, personne n'a pris le Bazookarp. On veut absolument se faire un chemin vers le premier checkpoint pour être sûr de le faire en une fois. Ouais, faire le chemin et puis surtout aussi avoir la supériorité numérique hein, pour aller vers l'avant. Pour le moment, il n'y a pas de supériorité numérique et du coup, on est vraiment dans ce qu'on disait, hein, la mission Bazookarp tendue avec des joueurs qui s'observent et qui osent pas l'ocelle offensive hein, tout simplement. Et c'était qui survit au jolisateur aux avant-postes et il finit par se faire liquider par Xerxes. Ça serait pas maintenant justement qu'on puisse récupérer le Bazookarp pour les premiers. Oh non, ça rentre derrière. Oh là là, aucune chance. Un Glash là qui a liquidé froidement l'adversaire. Il est directement liquidé par Obito. Il y a moins de du côté de Prominence. Du coup, ils vont se positionner un petit peu en défense pour le retour des coéquipiers pour à nouveau se lancer dans la partie. Ouais, retour des coéquipiers là. Oh, tu vois. Non, bah attends, mais c'est on sera failli sur fort. Le premier coup direct qui fait toujours très très mal. Hein. Ah oui, ça c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Et alors moi, que Glash pour l'instant va devoir essuyer quelques balles. Attention parce qu'on a un nouveau duel, ça serait pas mal parce que là ça pourrait annoncer peut-être la prise de Bazookarp. Alors ça joue quand même le temps hein. Je suis curieux de savoir ce qu'ils ont en tête. Il faudrait peut-être leur rappeler les règles, ils ont peut-être oublié qu'il fallait porter le poisson doré dans le camp adverse. Ou alors non mais ils attendent vraiment la fenêtre de tir. Ça y est, il est saisi pour la première fois par Veloz et par Prominence pour aller vers l'avant avec Glash qui tombe à gauche. Ça va choisir la gauche, ça va choisir le point de contrôle de gauche, j'ai l'impression, avec Veloz qui va devoir faire un saut. Il ne pourra pas sauter parce qu'il y a ST qui était là avec son joueur. ST très alerte hein, depuis tout à l'heure, déjà depuis l'ouverture de ce BO5, on peut dire qu'il fait carrément un excellent travail exercice là-dessus. Sur l'encryfugeur, il y en a deux des encryfugeurs, mais il y en a un qui va devoir tomber. Non, c'était le liquidateur qui a tombé. Ça veut dire que les deux encryfugeurs sont là, un jouisateur positionné. Ça va libérer de fait le checkpoint. Tout naturellement, Veloz va avoir l'embarras du Schwax pour aller se positionner au niveau de ce checkpoint. Même ST est freiné net par Bray. Mais quel travail, ils ont dû avoir à prendre la hauteur. Et cette hauteur va nous être fatale peut-être. Ça y est, on va chercher un petit peu ses responsabilités. Les duels sont gagnés successivement. Ouais, Pricing qui défend bien après la perte de ce point de contrôle. Ça va être à eux maintenant d'aller vers l'avant. En tout cas, la défense a tenu. Hein, 52 points restants, un point de contrôle de passé. Et Pricing qui va devoir maintenant contre-attaquer. Lance Rafale à disposition du côté de Glash. Il va attendre le meilleur moment pour le mettre. Aspirancre sorti du côté de son coéquipier. Il va falloir attaquer ensemble hein, du côté de Pricing. Lance Rafale qui est parti et qui ne trouvera pas l'équitation. Ça va, c'est ok, c'est mieux que rien, a priori, et là on va pouvoir, c'est Veloz, liquidateur junior, en plus il est tellement bien placé, Obito en frontal qui gagne son duel, Oreo quand même qui a repéré ce Veloz, mais Veloz a positionné ce bouclier de façon très préventive pour être sûr d'avoir un point d'appui si toutefois le Bazookarp passait en fait, et ça c'est cool parce que défensivement, on vous vantait les mérites de liquidateur junior, bah le revoici. 1 minute 20 à jouer pour le moment. Prominence tient son égalisation dans ce match. Hein. 80 points restants pour Uprising et 52 pour Prominence. Ah, le lance rafale qui est envoyé.
Il faut que Pricing trouve la faille en fait dans la défense adverse, et pour le moment il n'y a pas de possibilité, ils sont pas en supériorité numérique, ils ont du mal à contenir même l'agressivité de Prominence. Moins 1, c'est un Ankyl Fugeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Jolisator, ça peut être intéressant ça justement, c'est une information, un détail qui pourrait permettre à Prominence d'enfoncer le clou. D'ailleurs, le clou le voici, peut-être on va refaire partir ce bazooka. Regardez qui est en train de prendre encore une fois un petit peu plus d'avance. ST qui prend ses responsabilités avec son Ankyl Fugeur, peut-il seulement stopper Velos qui attend l'appui de ses coéquipiers? Les coéquipiers arrivent, on n'a pas d'ulti pour notre équipe de chez Uprising qui va devoir regarder Velos dans le blanc des yeux, et pour l'instant c'est un moins 2, c'est un moins 3, le bazooka est enfin parti, c'est la fenêtre de tir qu'on attendait. 30 secondes et la contre-attaque qui va pouvoir s'enclencher du côté de Uprising. Ils jouent pour le match, ils jouent pour la qualification en demi-finale, c'est pas rien là ce qu'ils ont au bout des tentacules. Ah, il se fait punir, ST qui portait le bazooka juste à côté du pied des stalles. C'est pas fini, il y a encore des joueurs de Uprising qui sont là, Glash, Lidl et Oreo, et c'est disputé autour du bouclier du bazooka. Il va falloir le faire péter ce bouclier. La défense qui est en place également. On va rentrer dans les prolongations. Il est saisi par Oreo et le point de contrôle qui est passé. Par contre, derrière, ils se font liquider. Ça va être dur pour Uprising. Oh, Jolisator, tellement bien fait. Attention à l'extincteur. Faut absolument remporter. Wap, stop. Attention, il est malheureusement fait leader. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est liquidé par l'explosion du bouclier. C'était dur pour Uprising de s'en sortir là dans les derniers instants. Prominence qui décroche l'égalisation de partout entre les deux équipes. Et donc, manche décisive pour une place en demi-finale. Eh ben, alors là tu vois, on parlait de défensivement les capacités de nos équipes à faire la différence, là c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des choses très intéressantes. Encore une fois, moi c'est ce stack, vraiment cette accumulation de Jolisator tout à fait, très très bien placée. On a vu un Bray aussi qui vraiment a fait le premier fait de jeu. C'est-à-dire que le maximum de points qui a été infligé, c'était notamment parce que Velos avait le Bazookarp et que Bray gagnait des duels très importants, puis prise de la hauteur, ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de points. Et derrière, on verrouille grâce à un Liquidateur Junior qui posait systématiquement de très bons boucliers. Tu vois, on parlait encore une fois, j'insiste là-dessus, mais de la capacité défensive de ces équipes, là, on en a eu la preuve. Ouais, tout à fait. Et c'est pas facile de défendre dans le jeu. C'est pas forcément une tâche facile d'être bien placé, de rester bien placé, d'avoir le sang-froid, clairement, de faire ce qu'il faut, le geste qu'il faut, peut-être pas trop se découvrir, rester en vie. Là, ça a été magnifiquement exécuté du côté de Prominence, qui était mené 2-0, en plus qui avait cette pression-là, et qui revient complètement au score, de partout désormais. Et la place en demi-finale qui se joue maintenant en pluie de palourdes sur le réservoir Rigadel. Alors que vous le voyez sur l'arbre, on connaît déjà tous les autres demi-finalistes. L'Alliance Rogue qui passe face à Booyagang 3-0. Et ça a été beaucoup plus serré, beaucoup plus tendu avec Squidding Good et l'équipe Pingouin, puisque Squidding Good l'a emporté 3-2. On va donc avoir une demi-finale de l'autre côté qui va opposer Squidding Good à Oro Jackson. Et c'est peut-être là qu'on va aller justement pour suivre la demi-finale entre les deux équipes tout de suite après ce match. Ouais, très très curieux de voir ce que ça va donner entre ces deux équipes. À noter quand même que Squidding Good l'ont échappé belle, 3-2 face à Pingouin. On l'a échappé belle pour une équipe favorite qu'on attend en finale. Ça a été bien tendu, comme c'est tendu sur notre quart de finale, mais c'est pas étonnant, je l'avais dit, les 4 places pour la Paris Games Week vont être ultra disputées. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ces 4 positions, et ça se vérifie dès les quarts de finale avec des matchs ultra serrés. Tout simplement. Ultra serré, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, on leur souhaite encore beaucoup de courage. Ce n'est pas terminé pour eux, comme pour nous. D'ailleurs, on va pouvoir se jeter dans cette map décisive entre Uprising et Prominence. On est sur de la pluie de palourde. On rappelle que la première pluie de palourde avait été remportée par Uprising avec, pas la même compo, puisque on a remplacé un Kelly par un marqueur, c'est-à-dire en fait la composition de tout à l'heure quand on a joué la défense de zone qui avait été remportée par Uprising encore. Donc là, on va chercher la composition qui nous a fait gagner sur la deuxième carte. Ouais, effectivement, on cherche une composition plutôt agressive avec un marqueur qui porte le bonus Ninja Lamar pour être plus furtif dans l'encre, pour s'infiltrer dans le camp adverse et surgir et prendre les liquidations. Du côté de Glash, ça commence en tout cas assez fort avec directement les rafales d'Obito qui prendra pas de liquidation ici, mais c'est plutôt Prominence dans les premiers instants qui tente d'aller vers l'avant. Pour cela, il va falloir passer aussi la tour de contrôle. Lidl qui prend le kill sur Obito qui s'est approché un petit peu trop près. Oh, c'est bien fait, hein. Ça c'est bien fait. Oreo qui est veillé au grain. Attention, on a déjà un ballon, c'est le Liquidateur Junior.
Gladiator Junior qui va nous être très utile là-dessus. On a même un autre ballon qui est disponible, Jolisator, pour libérer un petit peu l'accès. On a un autre Jolisator de la part de Bray, mais c'est un moins 1. Alors là, vu qu'il y a un moins 1, on est en infériorité numérique. Je ne pense pas qu'on va pouvoir passer. On va se replier légèrement. Alors pendant qu'on porte une super palourde, on est content de les avoir, mais on est surtout repérable hein, par les adversaires. Donc c'est pas forcément le mieux non plus de les conserver longtemps. Oh, le lance rafale, oh là là, directement sur le pauvre joueur Lidl qui n'a rien demandé, c'est surprise, hein, lance rafale, c'est cadeau quoi. Et ça va pouvoir lancer le push, l'attaque, le bouclier de Prominence avec un bouclier très bien mis qui permet au joueur Véloce de tranquillement enfoncer la super palourde. Bon, Véloce dans le dos, Lidl l'a absolument pas vu et donc du coup ça permet de faire un moins 2. Mais alors quel travail, attention parce qu'on va pouvoir mettre des points. Non, mais quand même, le mal est fait, il arrive trop tard. Il arrive trop tard avec son ballon, mais il va rester moins 4 parce qu'il y a un full team et il y a tellement de points à marquer. Il y a déjà deux super palourdes qui sont prêtes à être lancées dès que le panier est disponible. En voilà une et en voilà deux, 50 points restants. Oh, le lance rafale de l'autre côté qui est mis par Obito qui prend aussi une liquidation. Le panier qui n'en finit plus là, hein, d'être ouvert, d'être brisé, et les points qui sont collectés du côté de Prominence. Ça va être le chaos de Prominence, le chaos rapide. Oh, Prominence qui se qualifie pour la demi-finale et on a du coup assisté au fameux River Sweep. Eh bien, quel pronostic de fou dans le chat, c'est un truc de fou. Appelons-le Madame Soleil, carrément, je vais te demander les chiffres du prochain loto tous les jours, parce que là, on a eu un river sweep de toute beauté, clairement, mais Véloce qui passe dans le dos, qui fait un moins 2, il y a des points, il n'y en a plus, mais en fait, c'est moins 4, et en fait, il y a un bouclier qui protège un Jolisator. Tout était, la séquence était exceptionnelle. Incroyable tout ce qui s'est passé, voilà, c'était tout ce qu'il faut faire sur un push en pluie de palourdes. Ah ouais, et ouais, tous ses pieds exactement à merveille. Obito qui a lancé le lance rafale pile au bon moment et au bon endroit. Il a anticipé les placements de la défense adverse. Voilà. C'est tout s'est déroulé comme convenu du côté de Prominence. Ouais, c'est ça. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus des enfers. C'est un truc de fou. Ils l'ont remporté 3-2 et du coup, là maintenant, ils vont être de sérieux prétendants à la qualification pour ces demi-finales. On connaît tous les demi-finalistes. De notre côté, on va aller suivre le match entre Oro Jackson et Squeezing Good. C'est ce qu'on va avoir à vivre ensemble tout de suite dans quelques instants. Ça va être un match très important, hein, vraiment très intéressant. Squeezing Good qui font partie, on va dire, des favoris, si on doit les mettre comme ça, voilà, pour eh bien, les phases finales de cette première qualification, cela va sans dire, avec l'Alliance Rogue. Est-ce que c'est une erreur de dire que la finale, on attend Squeezing Good versus Alliance Rogue, c'est une erreur de dire ça? Non, c'est pas forcément une erreur, mais attention à cette équipe qu'on va avoir face à Squeezing Good. Sur le papier, hein, voilà. Oro Jackson, c'est une équipe qui vraiment, vraiment a le vent en poupe. Il remporte des tournois, surtout des tournois western, hein, occidentaux, pas forcément français. Mm-hmm. C'est la première fois en fait hein, que Oro Jackson, qui sont quand même des joueurs français évidemment, participe à un tournoi français de cette envergure. C'est donc assez intéressant de voir. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à Squeezing Good. Hein. Ça va être un vrai test. Honnêtement, moi je suis complètement indécis hein, sur les équipes qu'on va avoir en finale. Voilà, je serais incapable de mettre une petite pièce sur une ou l'autre des équipes. En tout cas, ce que je peux te dire, TPK, c'est que c'est bien le Quad War qu'on attendait là en demi-finale. C'est bien les quatre équipes qu'on avait plutôt qualifiées de favoris pour cette première qualification qui vont être là. Et de l'autre côté de l'arbre, on va pas suivre le match en direct, mais on a un très joli Alliance Rogue Prominence qui va être la revanche pour l'Alliance Rogue face à leur ancien collègue Obito. Ouais, on rappelle, hein, tu disais tout à l'heure que dans le set count, hein, donc c'est 1-0 pour Prominence. La dernière fois que Alliance Rogue Prominence se sont rencontrés, c'était Prominence qui l'avait emporté. Ouais. Là, il se rejoue, donc a priori, les chances poindraient vers Prominence, certes, mais attention, puisque à chaque jour suffit sa peine, et donc de fait, chaque jour est nouveau, hein, et qu'on ne peut pas vraiment de façon sérieuse se concentrer sur un résultat passé. Exactement. Donc surtout que les équipes se sont bien préparées pour cet événement. Ils ont peut-être découvert, comme chaque début du jeu, hein, des nouveaux tips, des nouvelles astuces, des nouvelles utilisations d'armes qui pourraient leur permettre de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Donc rien n'est joué, évidemment. De notre côté, ça sera Oro Jackson contre Squeezing Good. Bonne nouvelle, tout le monde est là. On va les envoyer se préparer dans le salon. Choix des armes et des équipements. Et on va pouvoir vivre la demi-finale. Dans quelques instants, il va falloir faire les bons choix du côté des deux équipes. Très très bon choix, hein, puisque alors
Là, le niveau est rehaussé d'un cran, hein, très honnêtement. Et puis là, tu vois, le River Sweep, moi je l'ai même pas dans ma tête, c'était même pas un River Sweep, tellement il s'est passé de choses dans ce BO5. Donc, vous dire qu'on va probablement avoir la même chose ici, hein, de façon sûre et certaine. Ouais, ça risque d'être très très tendu là, entre les deux équipes. Oro Jackson et Squidingu. On n'attend plus qu'Orochi du côté de Squidingu pour son choix. Et on va pouvoir se lancer dans cette demi-finale. Les choses commencent à devenir très très sérieuses là, entre les équipes. Il y a Banana, c'est vrai qu'il y a Banana, alors un ex d'Alliance Rogue dans Prominence. C'est vrai que Banana, on se souvient bien, sur Splatoon 2, ça envoyait. Bien sûr, en divin. Là, on est avec des excellents joueurs. Hein. Ah, c'est le gros niveau qui est réuni sur ce premier tournoi qualificatif. Après, c'est normal, hein. on n'a pas eu la Paris Games Week depuis très longtemps. C'est vrai. Donc on est quand même un petit peu content d'avoir l'opportunité de se retrouver encore après la Japan Expo. Se retrouver pour la première fois sur Splatoon 3, en plus, à la Paris Games Week. Donc ça fait quand même aussi beaucoup d'enjeux et beaucoup de bons moments à vivre. C'est pour ça qu'ils répondent présents, ces joueurs-là, évidemment. Et ils sont prêts à en découdre la demi-finale qui va se lancer maintenant. Sur de la défense de zone, mesdames, messieurs. Et alors là, cette défense de zone, elle est assez traître, hein, parce que c'est une map qui est très ouverte, mais alors très ouverte, et avec du coup une passerelle en bas, c'est un disque, hein, ça tourne, donc clairement il y a beaucoup d'enjeux sur cette carte, alors qu'en termes de composition, double encrifugeur à gauche, liquidateur et liquidateur junior, quand on a assez équilibré de l'autre côté, hein, côté Squidingu, puisqu'on a le fameux rouleau qu'on va voir, hein, puisque c'est le rouleau de Gekku. Ouais. Gekku qui est expert du rouleau carbone et expert du super mollusque, même si là il n'a pas pris le rouleau carbone, il a pris le flexi rouleau avec le multimissile. Mais je veux qu'il sorte son super mollusque, j'espère qu'il l'aura. On a également Squidingu dans une composition que je connais moins, avec Orochi qui est au sniper. Hein, wow! Oh bah voilà! Il est délogé. Totalement annihilé les deux joueurs là. Le lance-rafale qui est arrivé, il y a eu le réflexe de Roshi pour quand même prendre la liquidation d'un coup de sniper magnifiquement dosé. Ah, c'était l'impasse, hein, l'impasse de ouf. L'un ou l'autre devait être liquidé là-dessus, bah, c'était les deux en même temps. Port qui est sur la droite avec un excellent calibre. On a une fontaine là-dessus pour gagner du temps. Il va pouvoir peut-être avaler le jolisateur. Le jolisateur, eh non. Ouh. Il n'a pas aspiré, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir garder. Je crois qu'il a aspiré un des deux, hein. Il me semble qu'il y en avait deux. Un des deux ? Ouais, il me semble, parce qu'il y en a un que j'ai plus vu, il a disparu. Je sais pas où il est allé. Je pense qu'il a réussi à l'aspirer et derrière il a pu lancer son aspirant à revoir au ralenti à l'avare derrière. À l'avare. Ouf, lance rafale, hein, qui passait pas loin de Porky, mais Porky qui reste en vie pour le moment. Squidingwood qui faisait défiler le compteur jusqu'au jolisateur dans la zone de la part de Oro Jackson. Et attention à ça, Mehdi qui va à la chasse là-dessus, qui a raison, il est récompensé sur la liquidation de Roshi. C'est bien ce plat de bombe ici. Alors là, on commence à faire défiler les points. On a un point d'écart qui, pour l'instant, profite à Oro Jackson. Mehdi toujours sur la gauche, il est bien positionné. D'ailleurs, il va se permettre de repeindre. Hein. Vous voyez là, le contrebas, il est du haut de son promontoire là-dessus. Et ça paraît complexe. Alors on a un lance-rafale et un aspirant pour être sûr d'avoir le bon combo. Et en face, ça répond avec le super bouclier. Sonar Paf qui est mis également pour geler dans la zone. Squidingu qui reprend le contrôle. Il va vers l'avant pour prendre les liquidations. Il n'en prendra pas. Volti qui a répondu présent en défense. Et puis il y a du coup le jolisateur qui est prêt et qui va être envoyé dans la zone. Ouais, on va être obligé de décommander ici, hein, pour notre équipe de Squidingu avec Orochi là bien placé. Porky, attention, qui gagne. Il était dans le dos. Est-ce qu'il en gagne un deuxième? Ça va être super important parce que ça va nous permettre de gagner du temps et donc des points. Il nous faut absolument revenir recoller au score pour les Squidingu là-dessus. Et ils ont l'air d'être bien positionnés. C'est un moins 1 pour l'instant. L'équipe adverse se repositionne. On a un Gekku qui fait du 1 pour 1 et nous voilà peut-être dans une situation pour égaliser. Le lead n'est pas très loin pour Squidingu. Et ils vont sans doute le prendre, hein, parce qu'il y a l'aspirant qui est mis du côté de Porky pour justement sécuriser tout ça. Lead pris et surtout compteur qui continue à défiler. Va falloir trouver la solution du côté de Roger Jackson, à coup de lance rafale pour commencer, et des joueurs qui se préparent, hein, jolisateur envoyé. Il va falloir attaquer la zone. La zone est bien attaquée là-dessus, hein. 20%, attention, voilà, l'arrêt du décompte est total. Le jolisateur ici en appui et le bouclier, très bien. Mehdi, est-ce qu'il va encore une fois prendre ses responsabilités? Double liquidation. Attention à cette bombe collante qui quand même, eh bien, met un peu les points sur les i, mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il est fort. Un coup de rafale, un moins 2, et derrière il prend encore un autre kill.
Ah, Squidding Good qui est bien là dans cette défense de zone grâce à cette action individuelle. C'est eux qui ont à nouveau le contrôle de la zone. Il y a une pénalité à faire passer assez forte hein, par contre avant que le compteur défile à nouveau. Et le 0, le chaos ne sera peut-être pas très loin du côté de Roll Jackson. Il va falloir réagir. Il y a un Gélisator. Rafale encore. Il y a un Gélisator. Rafale exceptionnelle. Attention, Gélisator. Il y a l'aspirant. Oh, malheureusement, c'est tellement bien fait. Gélisator aspiré par l'aspirant de Porky. Alors qu'on va rentrer dans les 10 dernières secondes avec Squidding Good qui va peindre la zone jusqu'au bout. Pourquoi pas pour la conserver l'arrêt du décompte, il va falloir peindre. Bataille de peinture dans la zone, 4 points restants pour Squidding Goon et ils ne peuvent plus conserver la zone. Ça se sauve du côté de Roll Jackson. Oh, quel jeu défensif, Mehdi. Attention à Gekou, il est absolument pas soupçonné. Gekou, il est invisible. Gekou, attention, il va passer dans le dos. Volt, il l'a pas vu. Et là, ça veut dire que c'est peut-être le moment qu'on attendait pour nos amis de chez Squidding Goon. Regardez comment il est en train de faire un travail absolument exceptionnel. C'est un moins 2. Ah, mais on a plus beaucoup de monde là-dessus. On a quand même au rocher avec Fury qui est en train de veiller au grain. Ce sniper vivra encore un petit peu l'arrêt du décompte total. Alors qu'on est en train de rassembler les forces, certes, mais il reste encore fort à faire. On n'a pas encore pris la zone et au rocher est confronté à un Voltig là-dessus qui ne demande qu'à prendre la liquidation. Il est contraint de back un Volti. Et pour le moment, c'est bien Roll Jackson qui fait à nouveau défiler le compteur. Vous le voyez, ça va être très tendu cette fin de game. 20 pour l'instant contre 4 pour l'instant, mais ça défile multimissile du côté des jeunes. Multimissile, lance rafale. Ça envoie tout du côté de Squidding Good pour stopper ce maudit compteur alors qu'il reste moins de 30 secondes à jouer. Arrêt du décompte. Est-ce que ça va rester bleu? Très indécis cette zone pour le moment. Elle redevient bleue. Et elle met une pénalité tellement importante sur les épaules de Roll Jackson. Alors qu'il reste 15 secondes à jouer désormais. 15 secondes, on a quand même le multimissile qui va être disponible. Gélisator ici, je crois, on est en contrebas. Gekou qui est obligé de se faire tout petit. Mais Promano a peut-être vu l'arnaque quelque part. Mehdi qui prend ses responsabilités encore une fois. Attention à Gekou. On n'a pas vraiment d'ulti de part et d'autre. Ce lance rafale est en train peut-être de faire gagner du temps à cette équipe qui ne demande que ça. 4 points, 5 points les séparent, pardon. Et alors que voilà l'offensive de Squidding Good pour remporter le match. Il la peigne, elle va devenir toute bleue. Est-ce qu'elle va devenir toute bleue avec toutes les Squiddy Goods qui sont là pour peindre? Elle n'a pas de couleur pour le moment. Gélisator pour la reprendre totalement du côté de Roll Jackson. Attention, Roll Jackson qui fait défiler le décompte. Arrête du décompte, lance rafale, ça renvoie tout du côté de Squiddy Goods pour la reprendre finalement. 1-0 pour Squiddy Goods au terme d'une défense de zone qui a retenu toutes ses promesses entre les deux équipes. Oh là là, j'applaudis là. Wow, là j'applaudis là. Il faut pas nous faire ça. Ça fait trop là. Ah, vous savez quel âge on a? On est trop vieux pour tout ça. On est trop vieux pour ces conneries. Qu'est-ce que ces bêtises? Incroyable. Quelle première carte exceptionnelle, messieurs dames, qu'on est en mesure de vous offrir. On vous avait pas menti. Enfin, nous on vous offre rien. C'est eux qui offrent. Enfin qu'ils offrent et que nous on... enfin qu'on fout. Bref, vous avez compris. Ça fait le service. On fait le service. On est pas ce plat nous. On est pas ce plat. Quelle première carte, mon cher Dimitri. Ah, c'était énorme, c'était intense. Hein. Là vraiment, moi je suis tendu, je suis tremblant pour eux. Là. Ouais. Comme si j'avais joué la partie, sauf que bon, moi si j'avais joué, ils m'auraient trié et il n'y aurait pas eu match. Mais en tout cas, c'était vraiment une défense de zone exceptionnelle. Et là, j'ai vraiment hâte de suivre la suite de cette demi-finale avec Squidding Good et Oro Jackson. Et l'aspirant crin, c'est un truc de fou. Ah ouais, non mais Slurp de chez Slurp. Vous avez compris hein, que le Gélisator est donc cette explosion qui permet donc de fait de libérer la zone aussi, de la repeindre un petit peu. Sauf que quand en face, t'as un aspirateur qui récupère, qui fait comme ça, et que tu peux pas l'utiliser, et ben c'est un peu plus complexe. Et ben là, c'est exactement ce qui s'est passé. Le jeu défensif tourné autour de l'aspirant, qu'on attend le signal de voir en fait le collègue d'en face, l'adversaire se lever avec la main dans les airs ici, comme ça, comme s'il allait dunker genre LeBron James. Et ben plutôt que de le laisser faire, quel plaisir. Oui, là, honnêtement, je pense que c'est kiffant, hein, du côté de Porky et de son aspirant. Ça a été un des moments clés de ce match, hein, évidemment, d'avoir été capable d'aspirer ce Gélisator qui pèse tellement dans la zone, qui est tellement impactant dans la zone, là, impact zéro. Et Squidding Good qui, derrière, a tenu cette défense de zone, alors que c'était pas facile. Hein. Les derniers instants, c'était extrêmement disputé dans la zone. On a tout envoyé, il y a eu des lance-rafales aussi, extrêmement bien envoyé de la part de Fury. Lance rafale en tandem avec Eve. Ils ont tout mis. Bombe collante, lance rafale, Sarpeigny à gauche, Sarpeigny à droite. Gekou qui passe dans le dos. Ah, c'est ça, c'est sa marque de fabrique, Gekou. Hein. C'est poil à gratter derrière l'adversaire. Ouais, c'est ça. Toujours là, on a toujours peur. Parfois, il a même pas besoin de prendre des liquidations pour peser sur les adversaires. Ouais, c'est vrai que. Quel plaisir. On vous avait vendu, hein, Gekou, les mérites de ce joueur. C'est un des rares joueurs rouleaux de la compétition pour l'instant. Et voilà, pour l'instant. Il est à la hauteur de ce qu'on lui prêtait.
Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Expédition risquée sur la banlieue Balibo. Squiddingwood qui mène 1-0 dans cette demi-finale, mais c'était tendu, c'était disputé évidemment. Oro Jackson en jaune n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non. Et en plus de ça, cette carte très en longueur, attention à ce promontoire au niveau du centre hein, qui est tellement vital. Vous voyez que déjà on prend les responsabilités Promano avec l'Ancry Fugeur. Il y en a un en bas, en contrebas, c'est Volti, et il y a Promano de fait au rond. Le fameux multimissile de Gekku qui va pouvoir pour l'instant déloger un petit peu. Le but c'est de chasser la menace, c'est de les pousser un petit peu vers la sortie. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, l'adversaire mène, ça y est, et donc ça veut dire que la tourelle est aux mains de Squiddingwood. Allez, Porky en sortie d'aspirant qui se fait liquider par Fini qui va vers l'avant. Ah bon, full team, moins 4 du côté de Squiddingwood, ça va permettre à Oro Jackson de déployer ses ailes et surtout de faire avancer le stand mobile sur son rail. Lance rafale, attention. Bien joué ça, bien joué. Est-ce qu'on arrive à avoir quelqu'un? Ouais, c'est bien fait, mais c'est juste pour les repousser, ça fait gagner du temps, ce qui est déjà pas trop trop mal. Il y a pour l'instant pas de perte à déplorer côté Oro Jackson, ce qui veut dire que là les Squiddingwood sont en train peut-être de suffoquer. Il y a un bouclier, le liquidateur junior qui est en train de remplir toutes ses promesses avec le jolisateur. Le deuxième, on marque beaucoup de points, il va falloir vite striker parce que là c'est de très pression pour Promano qui prend cette invité quand même, qui est abattu par Orochi. Ouais, le point de contrôle, le dernier point de contrôle qui est passé, hein, là faudra faire attention du côté de Squiddingwood à pas se faire surprendre sur une nouvelle contre-attaque parce que ça peut aller très très vite du côté de Oro Jackson et là ils ont subi un très gros push, hein. 16 points restants, Oro Jackson qui a fait le travail en ce début de game. Ouais, Oro Jackson ça fonctionne, hein. Avec le liquidateur junior, pareil, hein, on vantait les mérites de cette arme en expédition risquée, voici un indice supplémentaire peut-être pour vous mettre sur la piste de jouer cette arme. Mehdi qui là est très 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 agressif, on va pouvoir positionner tu vois ce bouclier ici, il est tellement bien placé, mais il y a un bouclier en face, il y a un joli Zator surtout. Et là t'as beau être derrière ton bouclier, quand t'as liquidateur junior et joli Zator, faut s'en aller. Ouais, ouais, faut partir, hein, le joli Zator qui casse tout sur son passage. Et pour le moment Oro Jackson qui tient bien avec Mehdi qui va vers l'avant, ça va être dur hein, de prendre le kill. Il y a Gekku qui sort de sa tanière pour prendre la liquidation sur Feni, le multimissile qui est envoyé, qui est toujours extrêmement gênant aussi pour les adversaires puisqu'il faut changer de position face au missile qui se ça prend l'utilisation du côté de Gekku, hein. Il finit par se faire punir par Promano. Promano sur des bonnes prises de position, la tourelle qui repart au centre tout naturellement. On a deux ultimes qui sont prêts d'ores et déjà. On a donc du coup, je crois, ça va être le haut perceur qui va être disponible dans un instant, mais il y a un moins 2 pour un moins 1. Et on a donc du coup un bouclier sur l'équilateur junior, ce qui veut dire qu'on va pouvoir pousser tout naturellement pour les Oro Jackson. Ça avance avec Mehdi, ça n'avance pas trop pour le moment. De toute façon, ils n'ont pas besoin de forcer. Hein, pour le moment, ils mènent assez largement. Donc, ils ont le temps de rester en vie et au contraire de construire un très bel assaut du côté de Oro Jackson. C'est ce qu'ils font en étant bien placés autour du stand mobile avec toujours ces super boucliers sur le stand. Ah, il est tellement pas vu. Franchement, qu'est-ce qui fait bien les choses, hein, Fury là-dessus. Les deux, hein, Fury et Promano. Et Mehdi aussi, hein, là-dessus. On va voir, on n'a pas de bouclier, mais on entend encore en train de pousser Gekku. Attention à cette dernière ligne droite avec Gekku et les lance rafales qui sont mis pour défendre in extremis du côté de Squiddingwood. Gekku en difficulté qui réussit à prendre le meilleur sur Promano. Squiddingwood qui plie, mais qui ne rompt pas pour le moment. Ah ouais, là, c'est bien fait. Hein. Regarde, on va arriver sur la minute 30 de jeu, il y a tellement de points qui les séparent. Alors Gekku montre un peu l'exemple, hein. Il est en train de ouf. Par contre là on va avoir un bel c'est très bien. Mehdi est pas passé au bon endroit au bon moment. Ouais, Mehdi est passé par là et demandé s'il restait un peu de ponche. Pas du tout, rentre chez toi, la fête est finie. Exactement, Gekku qui l'a gentiment raccompagné chez lui. Fury qui lance le lance rafale. Il va y avoir un joli Zator mis en défense qui va stopper un petit peu les vivilités de Squiddingwood. Squiddingwood qui va vers l'avant et qui marque des points malgré tout avec un super bouclier très bien mis par Orochi sur la tour. Ah, d'un point de vue, là le plan de jeu ici pour nos amis chez Squiddingwood, va falloir continuer. On n'a pas vraiment d'ultime, on a un aspirant, c'est bien. On pousse, attention, on est deux, c'est Orochi. Là on sait qu'il n'y a pas encore de jolis Zator, donc ça veut dire qu'on a du temps. Porky qui du coup de fait le save, il faut absolument aller chercher les lance rafales. C'est un moins deux, le mal est fait, mais il y a quand même un survivant avec ça, c'est Porky. Mehdi, Gekku dans le dos, c'est l'élimination. C'est le full team, et là c'est la dernière ligne droite, ça va être la prise de lead de Squiddingwood et peut-être le chaos avec l'aspirant de Porky pour se défendre jusqu'au KO. Mais qui peut abattre Squiddingwood? Ils étaient bien mal embarqués dans cette partie et pourtant à la fin, c'est toujours eux, c'est toujours Squiddingwood qui revient. Gekku. Oh là 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 là. Gekku et Porky à la fin. Gekku, Porky, tu vois, on voit le lance-rafale, on a l'information, Porky qui se dit non, non, non,
tu ne feras rien du tout. En plus, il y a un Mehdi, je crois, qui est immédiatement écarté de la l'équation. Il a quand même réussi à prendre des liquidations sur le Nos Rafale, me semble. Bien sûr, sur le tour. Ça fait un moins 2. Il y a eu un carnage sur le tour. Il y a eu un moins 2. Et Porky, qui prend ses responsabilités, va déloger le Lance Rafale. Il revient sur cette toile alors qu'on se dit, ah, a priori, attends, c'est du moins 2, c'est du moins 3 pour moins 2. Et Gekou qui a fait le bon move à ce moment-là. Il est revenu. Encore ? Il a vu où se passait la partie et il est revenu donner le coup de main pour l'avancée du stand mobile. Squeezing Good qui a mené un très beau push et qui mène 2 à 0 désormais dans cette demi-finale. Plus qu'un point pour eux. Oh là là, il est tout le temps là, Gekou. Hein. C'est un truc de fou. Quand tu les donnes un petit peu perdant, t'es en mode, mais attends, mais là, là, il remonte pas. Si. Non seulement il remonte, mais avec l'art et la manière. Ouais, là c'était vraiment un très très beau push avec des bons moves et un bon mood, un bon état d'esprit, un bon placement de la part de tous les joueurs de Squeezing Good, en l'occurrence de deux joueurs de Squeezing Good. Mais après, les autres joueurs sont revenus très très vite à coup de super saut sur le stand mobile, évidemment. Donc tout le monde a bien joué le coup du côté de Squeezing Good. Une manche qui peut s'avérer décisive. Tout à fait. Tout de suite, maintenant, mission Bazookarp sur le réservoir Rigadel. Et Squeezing Good, alors je serais tenté de savoir, d'essayer de de comprendre la ref derrière le nom de cette équipe. Est-ce que c'est la chanson, tu crois? La chanson? Attends, quoi? Quelle chanson? C'est la chanson Feeling Good. Ah! Tu vois laquelle? Oui. Bon, eh bien, est-ce peut-être que tu crois que c'est ça? On leur demandera. Écoute. And I'm squeezing good. Je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Parce que je pense qu'ils ont pas ces refs là. Merde. Ça, c'est des refs. Oh non! Non, me dis pas ça! Par pitié! Non, vous connaissez la chanson Feeling Good? Le chat, s'il vous plaît. Non, arrêtez, nous laissez pas tout seul là-dedans, s'il vous plaît. On n'est pas aussi naze, on n'est pas aussi vieux. On l'espère en tout cas. On l'espère, ouais. Allez, ça continue cette demi-finale et cette manche qui peut s'avérer extrêmement importante puisque Squeezing Good est à un point de la qualification pour la finale. Ça se joue sur le réservoir. Gekou qui tombe directement là dès les premiers échanges. Avec du coup des joueurs de Roy Jackson qui vont pouvoir se saisir du bazooka et aller vers l'avant. Il va falloir d'abord aller sur le piédestal de contrôle. Oh, ça pousse, mais alors tellement fort. Ça aspire tout là-bas. Hein. Ça aspire tout là-bas. Hein. Mais pour l'instant, ça fait du surplace hein, quand même, parce qu'il y a un moins 2 pour un moins 1. Il y a un calibre, il va chercher un petit peu les éliminations, moins 2, ça y est, mais le Bazookarp est encore ici, joli Zator pour essayer de... Oh, alors là, il est passé. Ça, c'était tellement bien, fallait le faire. Ça, fallait le faire. Porky, fallait le faire. Passer dans l'interstice du joli Zator pour être sûr de pouvoir libérer le Bazookarp. Exactement, il voulait la liquidation sur l'objectif et il l'a eu, mais ça n'empêchera pas les joueurs de Roy Jackson de prendre le premier point de contrôle. Gekou qui tentait d'aller faire un carnage, mais qui se fait punir. Roy Jackson qui va pouvoir aller vers l'avant avec le lance rafale qui est très bien mis. Porky qui reste caché pour surgir à nouveau peut-être sur le Bazookarp. Le Bazookarp pour le moment qui est en sécurité avec Volti et il tente même un autre chemin pour aller vers l'avant. Ouais, mais là ça manque d'espace en vérité, on est un peu contraint sur cette standard, voilà, il va se faire liquider. Bon allez, c'est déjà ça, on a mis des points quand même, hein. Mine de rien, on a un lance-rafale de disponible. Est-ce qu'on va vraiment s'en servir tout de suite? Je pense qu'on va attendre que le Bazookarp reprenne le chemin pour l'instant de Nazanin Squeezing Good. Gekou encore une fois qui prend ses responsabilités et c'est là qu'on va pouvoir faire peut-être un massacre, d'autant que Porky avec l'aspirant est en train... Ah, ah, dans le dos. Eh, on l'a pas vu celle-là. Il était... C'est toujours un... Ouais, et puis même un full team. C'est toujours un petit peu comme ça la mission Bazookarp. Il y a toujours un joueur qui reste un petit peu en charc, comme on dit, qui reste planté quelque part. En requin. Discret, ni vu ni connu, voilà. Et qui réussit à prendre la liquidation sur l'objectif parce que c'est tout ce qui importe à un moment donné sur certaines phases de jeu. Ouais, Fury là-dessus sur un duel avec Mehdi. Attention, c'est un liquidateur junior hein, quand même, les duels pour liquidateur junior c'est quand même pas mal. Joli Zator de tenter, on a un bel échange mais pour l'instant on n'a pas l'air de donner ni l'une ni l'autre des équipes gagnantes sur la possession de ce Bazookarp. Constater quand même qu'on a un moins 1, ça peut peut-être être le moment pour nos amis de chez Oro Jackson d'aller pousser ce plat de bombe ici. On récupère le Bazookarp, non, ça y est, Mehdi qui le récupère et on a un Ancry Fugeur qui dispose d'ores et déjà, bah non, pas du tout, pas d'ulti, c'est un moins 3. Et ouais, Fury qui était là pour prendre la liquidation sur le Bazookarp, c'est même un moins 4 hein, pendant un court instant qui a été infligé par Squeezing Good qui va peut-être pouvoir enfin aller jusqu'à un point de contrôle. C'est ce que tente Orochi, en tout cas il est accompagné, hein, il est surveillé par toute l'équipe qui lui permet un accès facilité. Voilà, le point de contrôle qui est passé, il va falloir faire attention du côté de la défense, il va falloir tenir parce qu'ils sont loin du Bazookarp. Le joli Gekou qui est très bien mis et Gekou qui met le bordel devant, hein, avec son rouleau, il fait le ménage, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Orochi qui prend le lead avec le Bazookarp. C'est tout ce qu'il voulait, je pense, Squeezing Good. Ils ont réussi à
prendre le lead. Et ils vont quand même rester très très haut, hein, avec Gekou qui finit par se faire liquider. La défense n'a pas tenu pour empêcher le lead, mais elle a tenu derrière pour empêcher que ça aille encore plus loin, hein, du côté de Scooding Good. Et encore une fois, hein, le Gekou qui fait l'hémorragie, hein, qui provoque cette hémorragie, et derrière c'est compliqué de contenir la menace Scooding Good quand même. Un premier duel, deuxième d'ailleurs, c'est un moins de cette pop tête être ça. Le coup d'envoi pour Oro Jackson d'aller chercher des points supplémentaires, l'Ancry Fugeur qui prend ses responsabilités, mais oh, c'est Gekou. Un moins 2, moins 3, Gekou encore une fois il qui provoque derrière, l'hémorragie. Il était derrière le poisson doré, il avait envie de le manger, il l'a mangé, encore un bon coup de rouleau là. Et on le rappelle, Scooding Good qui joue pour le match là, hein, qui joue pour la place en finale et qui pour le moment mène 41 points restants contre 45 points restants. Il n'y a plus le choix du côté d'Oro Jackson, TPK. Plus le choix du tout. Il y a quand même un liquidateur junior. Ça pourrait être bien si on arrive à poser le siège. Voilà, il est là le siège d'ailleurs. On empêche la prise du Bazookarp en attendant que les collègues reviennent. Fury, est-ce que ça gagne le duel? Non, ça le perd. Mehdi qui fait bien les choses. Est-ce qu'il va en chercher un deuxième? Peut-être. C'est de ça qu'on peut aller chercher pour Oro Jackson. La Fontaine est immédiatement pétée. On va attendre que ça revienne. Pas du tout. Le Jolisator, pardon, avec Funny qui va là haut. Lance Rafale. Attention, Roshi sur la droite. Oh, il est stoppé net. C'est le moment pour Oro Jackson d'aller chercher les points. Ouais, il va pouvoir avancer peut-être, attention, parce qu'il y a l'aspirant de Porky et Fury qui est bien placé également. Avec son lance-rafale, il prend le kill sur le Bazookarp et sur Promano. Le premier jet du lance-rafale qui est directement envoyé sur le Bazookarp. C'était magique cette défense du côté de Squidding Good. Ouais, on n'a pas réussi à faire la percée, c'est dommage. Il y a un jouisateur de Volti avec l'Ancry Fugeur ici qui se repositionne, mais là il est au contact avec Fury, donc tout naturellement il va perdre son duel. L'Ancry Fugeur c'est fait pour être utilisé au point à mi-distance. 25 secondes et ça serait la qualif pour Squidding Good si on en reste là. Et du coup ça n'attaque plus du côté de Squidding Good avec Roshi qui tente de conserver le Bazookarp et qui s'infiltre totalement. What? Il s'infiltre totalement malgré Mehdi qui lui tirait dessus. Finalement ça va donner une dernière chance, une dernière tentative à Oro Jackson. C'est maintenant ou jamais. C'est un moins 2, hein, c'est un moins 2. Attention, surveillez Gekou sur la gauche. Il est pour l'instant pas en ninja, il est en frontal. Quoique, pas en ninja, j'ai rien dit. Gekou, il est encore en ninja. Mais quel ninja, c'est la Shuriken School qui est en train de s'afficher. Gekou, il a fait un tout droit second poteau pavard. On y a vu que du feu, c'est un 3-0 infligé par les Squidding Good. La place en finale du bout de son rouleau. Gekou qui dit stop à la partie et Squidding Good qui l'emporte d'une manière assez extraordinaire face à Oro Jackson. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle démonstration de la part de Squidding Good sur cette demi-finale. C'est fantastique ce qu'ils ont pu proposer. C'était un règne sans partage pour les Squidding Good qui, tu l'as dit, s'offrent de fait une place en finale pour un BO7 qui s'annonce aussi Serax que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Je dis serré et j'insiste là-dessus parce que souvenez-vous, la défense de territoire, la première map de ce BO que nous venons de voir, c'était très une map. C'est-à-dire que c'est un 3-0 mais qui reflète pas. C'est pas du tout un 3-0 qui mérite d'être un 3-0. Exactement. Ouais, 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 complètement. Et ça peut faire ça des fois, hein, sur Splatoon. Les manches se jouent parfois à des détails. À la fin, ça fait un 3-0 cinglant. Mais en vrai, on a vu un très très beau match et des très belles manches entre ces deux équipes. C'était très disputé. Ouais. Donc de fait, nous voici avec un premier contender sur cette finale. On va aller sur la deuxième demi-finale, mon cher Dimitri. Eh ben non. Direction la finale même. On file vers la finale. Je pense qu'elle a dû être jouée. Peut-être qu'on peut avoir un petit coup sur l'arbre pour voir si le score est connu, pour voir un petit peu où on en est dans ce tournoi. Ouais. En tout cas, on sait que Squidding Good est qualifié pour la finale, en tout cas. Alliance Rock, ou Prominence. C'était l'autre demi-finale, effectivement. On va aller voir ça. On va aller voir où on en est un petit peu sur ce tournoi. Elle est toujours en cours, hein, me semble-t-il, cette demi-finale. Toujours en cours. C'est vrai que ça a été un 3-0, donc dans les faits. À mon avis, ça peut durer un petit peu plus longtemps de l'autre côté. Il y a peut-être un petit déficit de cartes, voilà, qui est en train de se jouer. On aura l'information peut-être plus tard, sauf si effectivement il y a des arbitres dans la partie, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils ont joué directement leurs cartes de part et d'autre. C'est en cours en tout cas, hein, le match est bien en cours, l'autre demi-finale est en cours et du coup on va devoir attendre un petit peu avant de savoir qui sera l'adversaire de Squidding Good en finale de ce premier tournoi de qualification. Ça sera soit Prominence, soit l'Alliance Rogue. Soit Prominence, soit l'Alliance Rogue. C'est vrai que là il y a quand même des embranchements d'histoire assez intéressantes, tu vois, genre
Alliance Rogue, s'il l'emporte, on a donc de fait les deux favoris de ces tournois de qualification qui s'affronteraient. Si Prominence l'emporte, dans ce cas, on est dans la revanche d'un mix Alliance Rogue qui va aller chercher une finale face à Squid Ink Good. Dans tous les cas, on le sait, c'est Squid Ink Good qui sont là. Ouais, ils sont là, ils sont bien présents, alors que vous voyez le bracket pendant que Alliance Rogue et Prominence sont en train de se jouer. On se permet de féliciter encore une fois toutes les équipes qui ont participé pour cette première phase de qualification, puisque là nous avons les phases finales, mais tu l'avais dit tout à l'heure, il y a tout un tournoi qui s'est joué en amont. Ouais, donc là, en fait, on a littéralement les phases finales qui se sont jouées devant nous. Quoi. Ouais, effectivement. Et puis, on peut les citer, ces équipes qui ont participé. Merci d'avoir été là. Si vous êtes évidemment en train de regarder cette phase finale pour en prendre de la graine, il y avait Aqua Splatters, il y avait For Esports, Squid Cred, Switch in Reims. Switch in Reims, Reims. Ah bah, genre Reims la ville. Ouais, pour les rencontres, je pense qu'ils doivent faire là-bas à Reims. Bien sûr. Salut à vous. Très belle ville. Très sympa. Place d'Erlon, évidemment. The Splat Killer, Squid Game, DS in Paris. Donc voilà, ça, on les la connaît. Même tonalité. Fatalik. Alors, une équipe qui avait le doux nom de C'est quoi ce poulet. Ah, la fameuse ref. La fameuse ref de C'est quoi ce poulet. On embrasse. Les Salles Miloches, ASC, Shokai et Roue de Secours qui ont participé à ce tournoi. Voilà, il y aura d'autres qualifications, vous n'hésitez pas à participer aux prochaines si vous le souhaitez. Et il y aura également des tournois communautaires un petit peu plus tard, organisé par Splatoon France. Et si la compétition vous intéresse, bah, y a également des tournois organisés toutes les semaines au sein de la communauté par des âmes charitables qui s'investissent pour faire vivre Splatoon en France. Mais non. Et si, on a de la chance quand même. Il y en a encore des âmes charitables, TPK. Il y en a, ça j'en ai jamais douté. D'autant plus sur la communauté Splatoon qui regorge de tournois. Si ce tournoi-là vous donne un petit peu envie, vous inspire, vous et votre mix, ou si même votre mix n'est pas complet, vous trouverez largement des gens avec qui compléter votre équipe, et surtout des tournois sur lesquels faire vos armes, puisque il faut le dire, Splatoon en France et en Europe, c'est extrêmement vivant. Okay, ça, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, une communauté qui est très engagée, très active, dynamique sur le jeu, alors qu'on vient de me donner l'information qu'on connaît le finaliste qui va affronter Squid Ink Good. Figure-toi que ça a été un 3-0 aussi. Ça a été mais serré. Non. Ça a été serré quand même. What? Mais ça a été un 3-0 aussi. Et c'est Prominence qui va affronter Squid Ink Good. Et 3-0 vache. Ah ouais. Là, on est sur quelque chose de fort. Prominence contre Squid Ink Good, c'est la première finale qu'on va vivre ensemble pour ces tournois de qualification. Une de ces deux équipes ira à la Paris Games Week, aura son billet dès maintenant en tout cas. Prominence ou Squid Ink Good, et on vit du coup un petit remake par rapport à un tournoi qu'on avait justement organisé dans la communauté, TPK, il y a quelques semaines, sur un gros tournoi qui avait réuni plus de 60 équipes. La finale avait déjà été Squid Ink Good contre Prominence, et Squid Ink Good l'avait emporté 4 à 3. On va peut-être s'attendre à vivre un BO7 qui peut durer et qui peut être un petit peu difficile pour le cœur. Voilà. C'est vrai. Si vous avez l'opportunité, la fenêtre de tir maintenant pour prendre un petit verre d'eau, faire un petit pipi, etc., allez-y parce que le match risque d'être assez intense. Je pense que là, il y a de quoi se réjouir. Je ne pense pas qu'on ira au 4-0. Enfin là, ça paraît peu probable. C'est possible, mais ça paraît peu probable. Ouais. Alors, je sais que dans le chat, vous êtes d'ores et déjà les experts du pronostic. Qui pensez-vous, quel est votre pronostic, messieurs dames, dans le chat, qui va l'emporter entre Squid Ink Good et Prominence? Et peut-être même avez-vous un score à nous donner? Alors là, ça serait incroyable. Depuis tout à l'heure, on sent qu'il y en a 2-3 là qui ont des pronostics très très bons. Ouais. Donc là, c'est votre moment de briller. Ouais, et puis c'est aussi le moment de soutenir votre équipe favorite, ils vont avoir besoin de votre soutien pour cette finale. C'est la place à la Paris Games Week qui se joue. Ouais. C'est extrêmement important ce qui va se passer pour ces deux équipes. Squid Ink Good et Prominence, ils sont en train d'arriver tranquillement dans le salon. On va pouvoir lancer la finale dans quelques instants. On va jouer la première manche TPK en expédition risquée sur la casse rascasse. Casse rascasse de fait avec l'expédition risquée. Vous l'avez entendu, le monsieur, notre saillant monsieur qui d'ailleurs
Ce, c'est les petites mains du mode observateur depuis tout à l'heure, hein, mon brave Dimitri. Hein. Donc, ouais. Et c'est très bien fait. Et c'était pas facile. Non, c'est très très bien Croyez-moi fait. Croyez-moi que c'était pas facile. Voyez évidemment un maximum d'amour à Dimitri dans le chat. Oui. Parvient, il commence Merci. Et il fait l'observateur. Vous vous rendez compte Mais moi, je suis très bien accompagné aussi. Oh non, non. Oh, moi j'ai déjà du mal à commenter tout court, alors faire les deux, t'imagines? Ça serait trop complexe. En tout cas, pour l'instant, si je lis le chat, il y a l'air d'avoir quand même un pronostic. Pour Squidding Good, hein, très largement. Là, donc les Providence font office d'underdogs, hein, c'est-à-dire la menace contre qui pourrait créer l'exploit, qui pourrait créer la surprise. Moi, je ne demande que ça, des surprises. Tout le monde aime les surprises. Il peut y avoir des surprises, parce que je pense que Squidding Good est un nom plus ancien, c'est une des plus anciennes équipes de la communauté. Donc d'ailleurs, bravo à eux pour cette stabilité. Ça doit être un exemple, hein, pour ceux qui veulent se lancer et continuer dans la compétition. Squidding Good, ils existent depuis très très longtemps. Ça fait plus de 5 ans, je pense qu'ils existent les maintenant. Anciens. Ils n'ont jamais changé de line-up, c'est toujours les quatre mêmes qui jouent ensemble. C'est fou. Hein. Ils se sont rencontrés sur le jeu, ils sont devenus potes, ils se voient maintenant très souvent dans la vraie vie. Non, mais... C'est des belles histoires de Splatoon, hein, du côté c'est de Squidding Good. Hein. Et étant donné qu'ils sont très connus pour ça, bah, c'est peut-être pas étonnant qu'il y ait plutôt cette cote sympathie dans le chat. Ça n'enlève rien au fait que Providence, c'est des excellents joueurs et qui pourraient créer la surprise. C'est vrai. Là, pour l'instant, la cote de popularité penche côté Squidding Good. Alors, évidemment, chez vous, si vous vous dites, mais attends, il faut que j'ai une équipe qui n'a pas bougé depuis 5 ans pour faire des choses en. Non, attention, on n'est pas en train de dire ça. Pas à ce point-là. Ça peut aider, il y a des facilités, notamment en termes de communication, en termes de composition, en termes de stratégie, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par ça pour pouvoir remporter des matchs importants. J'en veux pour preuve, Dominance, qui est un nouveau mix, hein, ce que tu me disais, alors, même si les joueurs ont tous de l'expérience à droite, à gauche, qui sont partis glaner, il n'empêche que ça reste un nouveau mix. Ouais. Providence, on n'attend plus que Velos, hein, de leur côté avant de lancer cette finale. Puis surtout, hein, y a la possibilité de faire des rencontres tout simplement dans cette communauté. Et effectivement, c'est aussi ça la belle histoire. C'est des joueurs qui se rencontrent, qui tantôt sont adversaires, tantôt peuvent être coéquipiers et qui ont quand même plaisir à se rencontrer également dans la vraie vie. Et pourquoi pas à la Paris Games Week justement en novembre. Et c'est justement ce que visent Providence en jaune et Squidding Good en bleu, la qualif pour la Paris Games Week. Ça se joue dans cette finale, TPK. La qualif à la place de la qualif pour l'un ou pour l'autre, pour l'une ou pour l'autre d'ailleurs, des équipes, alors qu'en termes de composition d'armes et d'équipements, nous sommes sur un classicisme absolu. Double encri fugeur, liquidateur junior, liquidateur et calibre liquidateur, liquidateur junior, rouleau de Gekku, le fameux, qu'il va falloir absolument surveiller de très près. Et ça envoie déjà les multimissiles, hein, du côté de Gekku pour brouiller la défense adverse. Il y a Velos qui tente une approche près du stand mobile, aidé par un super bouclier. Pour le moment, il peut pas trop y rester, justement à côté du stand qui est défendu par Squidding. Lance rafale envoyé du côté d'Obito, ça prendra pas de liquidation. Attention à Gekku qui essaie encore de passer dans le camp adverse. Il avait deux joueurs contre lui, Exercès a réussi à l'avoir avec son autre fugeur. C'est bien fait, hein. C'est quand même, ça permet quand même à Spinning Good 2 marquer quelques petits points. Fury a été abattu, c'est un cri fugeur exceptionnel. Voilà que nous allons pouvoir faire repartir le stand au milieu du terrain. Pour l'instant, terrain qui va être pris par Obito. On est toujours sur les premières phases de jeu. Hein. Gekku qui a repéré sa proie, va-t-il seulement réussir à l'avoir? Non, c'est un 1 pour 1. Heureusement qu'il y avait Fury pour aider au duel. Ouais, Orochi qui tente de faire avancer un petit peu le stand mobile, mais il est bien seul. Ça va être compliqué. La défense est en place, hein, pour tirer sur le stand mobile. Pour le moment, la partie qui est complètement verrouillée, alors qu'on a déjà passé la première minute de jeu. Le lance rafale de Fury qui ne trouvera pas de liquidation, au contraire, il s'est découvert et il s'est fait punir. Gekku, hein, sur la droite, toujours attention, un hein, Porky qui du coup utilise son aspirant qu'on a un multimissile de proposer. Pour l'instant, le stand est bien immobile, alors que quand même le but c'est de le faire bouger. Vous voyez à quel point les équipes sont prudentes. Gekku sur un tir de barrage et ce lance rafale exceptionnel. On s'est peut-être un petit peu trop commit, hein, sur la droite de la carte, ce qui fait que bah du coup les Providence ont, on va dire, une belle fenêtre de tir pour ne serait-ce que grappiller quelques points. Ils le font, en tout cas ils font avancer le stand sur le premier point de contrôle. Les points de contrôle, c'est important, hein, d'aller passer évidemment en expédition risquée. Après, ils ne sont plus à passer, le stand ne sera plus ralenti là la prochaine fois que Providence passera, du coup, puisque le point de contrôle est cassé. Obito qui était en dessous de la paroi, qui se fait punir par les joueurs de Squidding Good. Un jolisateur qui a été mis en défense pour Providence. Squidding Good qui sont 4 en vie et qui ont les spéciaux qui sont prêts à être envoyés. Ils vont sans doute lancer la suite. Les 4, hein, là c'est sûr et certain.
on a largement de quoi faire. On met de façon préventive un bouclier. Attention, on a une présence sur le stand mobile. Le tir, eh bien, le lance-rafale qui a été proposé, et ça fonctionne hein, pour ce liquidateur. C'est du 1 pour 1 et ça a l'air de bénéficier encore et toujours aux Prominence pour l'instant qui repasse en tête. Ouais, Prominence qui reste pour le moment sur leur lead. Kujingu qui n'arrive pas hein, à mener l'assaut, à pusher. Porky qui est complètement, ouais, il était complètement bloqué bien, seul dans le camp adverse et il s'est fait punir par les joueurs qui sont venus à sa rencontre. Prominence qui va pouvoir contre-attaquer et peut-être consolider l'avantage. Ouais, il y a une bombe. Ouf, attention à Roshi là-dessus, il met le bouclier, ça c'est bien. Mais tout en avance. Grappillé, c'est bien. Ouais, c'est pour... Ouh, Joizator. Joizator au niveau du bouclier. Peut-être, non. On choisit de passer pour l'instant libéré par la droite. Orochi sur la splatement, mais il est obligé de se terre et ça fait gagner du temps à Prominence qui enfin passe devant pour de vrai dans cette carte. Ça joue un petit peu doucement, c'était un petit peu, je dirais, mijauré, hein, comme qui dirait. On prenait un petit peu de la défense, on était tout doux sur l'approche. Voilà que nous avons une belle avance de prise, 40 points qui les séparent. Et en tout cas, du coup, du côté de Squidingu, à l'image de Geku là qui met un très beaucoup de rouleau, du côté de Squidingu, il va plus falloir être discret et attendre. Oh, oh bah alors. Il a foncé vers une bombe gluante, il a sans doute pas vu la bombe gluante qu'il attendait là sur le côté. Squidingu qui attaque avec Orochi seul sur le stand, mais bien aidé par son super bouclier, il reste en vie pour le moment. Il a tenté de jongler avec les tirs adverses, il a avancé autant qu'il pouvait avant de se faire liquider. À Geku, moi j'ai toujours les yeux rivés sur Geku pour l'instant. On propose un aspirant ici. Et il va y avoir un liquidateur junior avec son bouclier. Donc ça veut dire que là, a priori, dès qu'on aura passé eh bien, la première moitié, on va pouvoir reposer le bouclier. Ça y est, c'est fait. Et comment on fait maintenant? Eh bien, on met tout, on concentre tous les efforts sur ce bouclier pour faire en sorte qu'il ne soit pas si intéressant que cela. Et on propose un Jolizator. C'est repoussé, mais pour combien de temps? Ouais, Prominence qui sont en lead pour le moment et qui tiennent bien. Attention à Break Speed quitté, il y a moins 1 du coup de Prominence. Kudingu qui va pouvoir contre-attaquer. On est dans les 40 dernières secondes. Fury qui envoie le lance-rafale. Ça prendra pas de liquidation. Geku qui est vers l'avant qui se fait liquider. Ouh, il a évité de justesse les rafales qui s'abattent sur lui. Il est bien là, il est bien placé. Ah dommage, il était bien placé. Il allait prendre un petit peu ses responsabilités pour aller confronter ce lance-rafale. Et Orochi qui se fait occuper par Bray derrière. 20 secondes, ça paraît complexe hein, là-dessus. On n'a qu'un calibre ici. Geku est hors de portée. Tout du moins, il tente de se faire respecter au niveau de cette tourelle. Mais il le fait d'ailleurs, il part bien. Attention, la bombe. On l'a échappé belle, mais va falloir vite reprendre la possession de ce stand mobile. Allez, 5 secondes et on va rentrer dans les prolongations. Attention à Bray qui est planqué là et qui attend que de pouvoir prendre les liquidations sur les multimissiles qui vont le forcer à mettre son Jolizator. Il a réussi à le mettre, mais il se fait liquider. Ça reste sur moins 3. C'est fait, c'est fait du côté de Prominence. Ça a réussi à tenir sur la première manche de cette finale. Prominence qui mène 1-0 face à Squidingu. Là, c'est peut-être là qu'on a vu. Alors, c'est une carte qui est particulière. Geku a pas réussi à prendre l'espace qu'il arrive à prendre d'habitude parce que c'est vraiment une map qui est petite, qui laisse peu de place au lurk, c'est-à-dire au fait d'aller s'infiltrer profondément dans la base. Vraiment, t'es assez visible, on va dire. Donc là, on sent que Squidingu a eu des difficultés. Hein. Ouais, on a eu du mal à faire peser le facteur Geku ici. Exactement. Et ça s'est senti sur la partie. Squidingu a eu du mal à remporter les duels impactants qui leur permettent de faire avancer le stand. Assez inoffensif sur cette première partie. Squidingu, Prominence qui mène 1-0. Mais la vérité de cette manche-là ne sera peut-être pas la vérité des prochaines manches TPK. Absolument. Absolument. Et tu vois. Avant de commencer l'émission, avant de commencer tout à l'heure le commentaire de ce tournoi, on parlait un petit peu des spéciaux, hein, des ultimes utilisés à niveau professionnel comme ça, enfin à très haut niveau tout du moins. Et c'est vrai que j'avais un peu entendu tout et son contraire quant au lance-rafale. Certains disent que le lance-rafale, c'est pas non plus l'arme la plus intéressante, ça manque de polyvalence, on n'est pas au niveau par exemple d'un Jolizator qui pourra servir tout le temps. Ouais. Et là, tu vois, j'ai eu le son de cloche de certains qui disent non, attendez, c'est exceptionnel parce que tu peux tellement déloger vraiment le travail pour déloger un peu comme le multimissile finalement, sauf que là on est en trois coups et c'est, on va dire, impactant d'un seul coup. Là tu vois, c'est en train de me donner une carrière à ce lance-rafale hein. D'ailleurs il est très utilisé, on l'a beaucoup vu depuis le début et on l'a vu avoir un vrai impact sur les parties, ce lance-rafale hein. Quand le premier jet part et qui réussit à prendre la liquidation par surprise d'un joueur backline qui tient une position, le lance-rafale là a toute son utilité, et parfois même quand il est vraiment très bien lancé avec des joueurs qui sont un petit peu stack, un petit peu paquet, tu fais d'une pierre deux coups. Ça fait mal.
ça fait mal. Donc moi, là, pour l'instant, tu vois, on est au début de la méta, évidemment, de Splatoon 3. Donc tout le monde prend les repères, tout le monde essaie de comprendre, de tester, de réajuster. Et pour l'instant, ce lance rafale, il tient, je dirais, pas mal de promesses à surveiller pour la suite. On va passer sur une autre carte, un autre mode de jeu. Et cette autre carte va peut-être être l'occasion pour Gekou de faire son taf, puisque nous allons faire une mission bazooka au Club Cachalot. Exactement, le Club Cachalot qui revient tout droit de Splatoon 1. C'est un petit peu le club paradisiaque, là, hein, le club de vacances, le club Cachalot. Et Squiddingwood qui court après le score face à une équipe de Prominence qui a bien mené sa première manche. C'est Prominence qui fait exploser le bouclier du bazooka, puis il n'a pas du tout été disputé par Squiddingwood, qui se place plutôt directement en défense. Et en termes de composition, on a plus ou moins la même chose. Hein. On a quand même une première percée pour Prominence, qui va malheureusement en payer les frais. Fury et Orochi en tandem pour repousser un petit peu. Le bazooka, excellent tir de bazooka plan, va juste se permettre d'aller taper le bouclier. Et il a raison, je crois que c'est Porky sur la gauche avec l'aspirancre. Double, mais alors double Jolisator, messieurs dames. Il est très bien mis cette attaque. Il est bien posé, il est encore vivant, il prend une élimination. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, Orochi, encore le bazookarp. Alors sur le club Cachalot, ça peut aller très très vite, hein, TPK. La carte tout à est fait. Plutôt petite, donc il faut que tu fasses attention du côté de Prominence. Ça va se faire surprendre par Gekou justement, qui prenait une liquidation, mais bien repris derrière par Velos. La défense est en place du côté de Prominence. Ils ont concédé le point de contrôle, mais ce n'est pas grave. Ils vont pouvoir contre-attaquer et aller vers l'avant. Ouais, c'est ok là pour l'instant, ça a l'air d'être tout à fait ok. On arrive à renégocier. Alors le premier choke point va être très important, puisque vous voyez que en face on a besoin d'être au contact, hein, que ce soit Liquidator Junior ou Gekou. On peut pas trop aller chercher de la portée. Le multimissile, pour gagner du temps, on va laisser faire le lance-rafale et le multimissile, voir un petit peu si l'ennemi change de stratégie. Mais en fait non, puisqu'il y a ce Jolisator et cet aspirancre qui est contraint de se désengager. C'est du moins 1 pour du moins 2. Les Prominences ont de quoi faire pour aller chercher des points. Ouais, Orochi qui tombe à côté du piédestal en plus, ce qui fait que la voie est ouverte pour Velos et le bazooka pour être planté sur le point de contrôle. Ils vont pouvoir peut-être même continuer l'assaut. Ah non, c'est terminé, hein, les joueurs de Squiddingwood qui défendent maintenant au point de contrôle le bazooka. Étant donné que Squiddingwood sont les premiers à avoir passé le point de contrôle, c'est eux qui restent en tête, 55 points restants contre 56 points restants. Ouais, là on va pouvoir voir un petit peu quand eh bien les Squiddingwood sont à l'offense, comment ils peuvent aller grappiller des points. Leur composition sert, hein, l'attaque, hein, là-dessus avec Fury. Orochi qui va récupérer des points, il passe loin, c'est bien, il fait les points. Il fait très aussi loin qu'il pouvait, Orochi. Et on va pas dire non à ces points-là, hein, du côté de Squiddingwood, même si là, attention, ils sont moins 4, il n'y a plus aucun joueur de Squiddingwood en vie sur le terrain. Ça va permettre à Prominence de prendre position, de bonne position forte vers l'avant. Oh, là, t'as vu, un de chaque côté. Un de chaque côté pour être sûr que la défense ne sache pas trop où concentrer ses efforts. Gekou là-dessus lui fait de son mieux pour essuyer cette phase de défense. On a vu que sur la phase de défense précédente, oh, c'est pas le meilleur. Double Jolisator sur bouclier. La défense adverse, et ça va avancer du côté de Velos. Plus ça de passe quelques devant. Points à mettre, et des amis, 18 points restants. Le lead est consommé du côté de Prominence. Et c'est pas fini, il y a encore Xerxes et Obito qui sont en vie près du bazooka. Ça va pouvoir le faire largement dans la main, si toutefois tout était ok. Il arrive à être stoppé net, mais 3 points. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a 3 points? D'autant que eh bien, l'assaut n'est toujours pas terminé. On a pas de Jolisator de disponible, ce qui veut dire que là, les Ancrifugeurs vont pas se respecter. Il est volé, Orochi qui continue de maintenir eh bien, ce siège. Attention à cela, puisque derrière on a Gekou dans le dos qui arrive à prendre l'élimination. C'est un moins 3, voilà que les Squiddingwood peuvent enfin respirer. Mais tu vois, je te disais que défensivement, cette composition des Squiddingwood pouvait galérer un petit peu. Là, je crois qu'on l'a vu. Bah, ils ont concédé lead, et là c'est à nouveau un très bon lead, hein, de Prominence. 3 points restants, c'est quasiment le chaos ou rien pour Squiddingwood maintenant. Il va falloir être fort sur les assauts tentés, et ça va être compliqué, hein, d'autant plus qu'Orochi est tombé déjà. Il va falloir rester en vie, il va falloir trouver les liquidations, gagner les duels du côté de Squiddingwood, avoir la supériorité numérique. Avec quoi, ou bah, voilà. Il a envoyé des lances rafales, mais il s'est pris en retour des rafales également, Fury. Il n'est pas arrivé malheureusement. Fury là-dessus qui tente la percée. Porky toujours en possession de ce bazooka. Attention, Gekou en embuscade, vous voyez, il est d'ores et déjà vu, c'est bon, tout le monde a repop sauf le liquidateur junior de Squiddingwood. Porky qui va devoir concéder ce bazooka, et voilà que nous tombons sur la minute de jeu. Là ça commence à être une mauvaise nouvelle pour les Squiddingwood. Ouais, Squiddingwood qui est en difficulté pour aller vers l'avant, et Prominence qui joue très très bien le coup. Beaucoup de sang-froid, hein, du côté de Prominence dans les placements, dans la manière de jouer, dans la manière d'utiliser les spéciaux également pour
le moment, tout est parfait pour eux. Le jeu utilisateur envoyé de leur côté, il était très bien mis, mais il prendra pas de liquidation. Par contre là, voilà, on crie toujours, mais non, le moins 2. Il s'est fait reprendre, mais le moins 2 est là pour le joueur de Prominence. Et ça fait du bien à Prominence, d'autant plus que là, il y a un lance rafale qui a été encore très bien mis du côté d'Obito. Tout sourit à Prominence pour le moment. Voilà, tout était excellent. Attention hein, sur la gauche, je crois que c'est en train de se battre avec Orochi qui là pour l'instant est en possession du bazooka. Mais comment est-ce qu'on passe là-dessus? On est obligé de... Faut qu'on propulse Gekko, faut qu'on le propulse. Il y a l'aspirant, allez, c'est maintenant qu'il faut prendre eh bien, du territoire. Gekko qui est un petit peu en retrait. Ça va être bizarre, il y a un moins 1 qui est proposé. Allez, c'est le Jolisator, mais Orochi qui passe. Il se fait liquider, le Jolisator qui l'a forcé à bouger. Il est allé dans une bombe. Tout a été envoyé pour liquider le porteur de bazooka et pour permettre à Prominence de remporter son deuxième point. 2-0 pour Prominence face à Squidding Good. Pour le moment, tout est bon pour Prominence dans cette finale. Tout est bon, 2-0. Et... ouais. En fait, vraiment, j'ai tendance à te dire... Alors, je me permets une petite analyse. Tu me dis, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais j'ai vraiment l'impression que là, pour l'instant, le mix d'armes, de compétences... ne permet pas de freiner directement cette attaque, puisque côté Squidding Moon, on avait Liquidator Junior et Rouleau, qui sont quand même des armes, on va dire, à courte portée, pour être véritablement efficaces, pour respecter le contrat qui est d'aller liquider. Hein, c'est ça, du Rouleau et du Liquidator Junior. On n'est pas en support, on est vraiment là pour liquider. Ouais. Et ça ne fonctionne pas. On ne parvient pas. Même pire, on joue beaucoup en retrait. Pourquoi? Parce qu'on veut farmer en fait le multimissile de Gekko. Exactement. Et du coup, si on farme le multimissile, bah, on n'est pas en train d'opposer une présence. On n'est pas en train de se manifester en frontal. Et c'est là en fait que les Prominences peuvent se... passer tranquillement. Exactement, ils sont plutôt punis par leur manque d'agressivité pour le moment. Squidding Good qui est peut-être effectivement moins permise par leur composition, une composition plus diesel, une composition qui repose peut-être beaucoup plus sur les spéciaux, donc l'attente de pouvoir lancer des spéciaux, à l'image par exemple de Porky qui a une arme qui est très bonne, hein. Le calibre 3000 est très bon, mais c'est une arme qui a quand même un petit peu déjà qui a une faible cadence. C'est pas l'arme la plus agressive qui existe dans le jeu, en tout cas ça c'est clair. Et pour le moment c'est vraiment là-dessus qu'ils pêchent, Squidding Good, c'est qu'ils sont timorés et c'est pas assez rapide et ils répondent pas à l'agressivité adverse. Ouais, quand t'as autant d'encrifugeurs, tu vois, l'encrifugeur qui peut largement poser un siège, ouais, farmer des jeux. En plus, on en a deux des encrifugeurs, faut vraiment les déloger. On ne peut pas se permettre de laisser des encrifugeurs vivre comme ça, poser un siège, c'est absolument impensable. En plus de ça, appuyé par des liquidateurs et autres. Bref, donc là, on est pas encore tout à fait dos au mur, on commence à avoir le talon, tu vois, qui cogne contre la brique, tu vois, du mur derrière nous, mais c'est ok. Bah, Squidding Good qui doivent se reprendre dès maintenant, hein, pour empêcher le 3-0 qui sera pas synonyme encore de défaite, mais qui sera synonyme de balle de match derrière pour Prominence. On part en pluie de palourdes sur le canyon aux colonnes. Et Squidding Good qui menait 2-0 face à une très belle équipe, une imposante équipe de Prominence pour le moment. Ouais. Et alors là par contre, la composition de Squidding Good qui pourrait fonctionner en pluie de palourdes, ça peut être tout à fait intéressant. Surtout sur cette map où il y a beaucoup d'angles, il y a beaucoup de recoins, on peut se cacher. Oh, Gekko qui peut faire son travail, moins 2, est-ce qu'on va aller jusqu'au moins 3? Ça serait quand même... oser, mais c'est là où on il l'attend, Gekko. Hein, par Porky derrière et son aspirant travail d'équipe du côté de Squidding Good, il finit par se faire liquider, Gekko. Mais ça montre un petit peu les velléités offensives. Peut-être que sur cette carte, Gekko aura plus la possibilité de s'exprimer. C'est ça. Allez, allez. En fait, il a besoin d'angles. Il a besoin de petits interstices dans lesquels ils peuvent se faufiler pour faire en sorte que le rouleau, malgré son imposante taille et son poids lourd, puisse se faire tout petit. C'est ça la particularité de Gekko, se faire... Oh, oh là là, il fallait pas passer la tête là. Il fallait pas passer la tête ici. Headshot au bazooka. La rafale était là, hein, la rafale de Obito. Et pour le moment, Prominence qui n'a pas de supériorité numérique quand même, même s'il y a des liquidations aussi, ça y est, moins 2. Prominence qui va pouvoir aller vers l'avant et peut-être percer le panier adverse. C'est beaucoup de points là en substance qui pourrait être délivrée, un utilisateur pour être sûr de libérer la hauteur. Allez, c'est maintenant qu'on va pouvoir mettre les quelques points. Obito qui se sert comme à la cantine. Derrière Gekko qui va prendre ses responsabilités, il en fait un. C'est bien, maintenant il faut être sûr que personne ne récupère ses maudites palourdes, puisque sinon c'est des points supplémentaires. Voilà, on a repoussé la menace Prominence qui, je vous le rappelle, est en train de mener par 2-0. Là, il va falloir faire vite.
Ouais, effectivement, lance rafale hein, qui a été mis quand même au loin là-bas. Et lance rafale en réponse du côté de Fury qui ne trouvera pas de liquidation. Ça va être le duel par contre face à l'Ancrifugeur et il se fait liquider par l'Ancrifugeur de Bray qui, pour rester en vie, est forcé de mettre son jolisateur. Et ça a marché. Hein. J'aime beaucoup la manière dont jouent les deux équipes, puisqu'à chaque fois qu'il y a un duel un petit peu 1v1, il y a toujours un coéquipier qui arrive au tac pour aider hein, et pour prendre le liquide. Ça permet à Prominence pour le moment de mener largement et de continuer à peser sur le panier de Squiddingwood. Ils sont complètement sous le panier et par contre ils n'ont pas de petite palourde pour marquer des points. Ouais, en fait ils ont filé toutes les palourdes eh bien, aux porteurs tout à l'heure, donc c'est à dire que là ils ont vraiment juste voulu mettre les points, minimiser les prolongations, tout du moins les points de pénalité pardon, et bah, de fait ça fonctionne. On y va, on grappille ce qu'on peut, on y va tâton à tâton et surtout on a une gestion des ressources qui est la bonne puisqu'on a d'ores et déjà un ballon. Ouais, c'est fort hein, ce qu'ils font Prominence, parce que Squiddingwood n'arrive pas du tout à sortir de leur camp. Et attention là, Abré qui arrive par derrière avec son Ancrifugeur. Il tombe sur l'aspirancre de Porky, mais ils sont attaqués dans tous les sens, les joueurs de Squiddingwood. C'est très difficile. Oh, il gagne son duel! D'autant plus que là, il y a des duels fous qui sont gagnés par les joueurs de Prominence, alors que honnêtement, il n'était pas dans une très bonne position dans ce duel. Oh, attends, mais il est en train de faire un travail de fou! Voilà, ça y est, enfin, il est abattu, mais quand même! On fait gagner du temps pour Prominence. On a un ballon, attention à Gekou sur la droite. Malheureusement, je ne sais pas trop comment il va pouvoir passer. Voilà, il est obligé de désengager. Il est sous le feu nourri de l'Ancrifugeur de Prominence. Et voilà qu'un multimissile vient pointer le bout de son obus. Ça pourrait être les bons coups, le bon moment pour nos amis de chez Squiddingwood d'aller chercher quelques précieux points. Mais il ne parvient pas à aller chercher quoi que ce soit. C'était un liquidateur junior. On n'avait pas la portée. Les duels sont forts hein, du côté de Prominence. Vraiment là, même si là, l'exercice se fait complètement reprendre par au-dessus, par le rouleau de Gekou. Les bons duels sont gagnés par Prominence pour le moment, même dans des situations délicates, ça leur permet de mener complètement dans cette partie. Il y a une super palourde qui est portée par Orochi. Comment l'emmener à bon port du côté de Squiddingwood? C'est tout l'objectif. Ouais, multimissile. Oh, les 4, allez. Bon, ça c'est les 4. Il va pleuvoir, il va pouvoir du plomb. On se rafale. Porky a priori un très beau, très belle fenêtre de tir. Pardon. Et là c'est un énorme push. Regardez toutes les palourdes qu'on a, on a un bouclier. C'est fantastique ce qu'on est en train de faire, Squiddingwood. En plus, si Porky les voit, il peut peut-être aller les chercher. C'est Orochi, il les a vus. Qui va s'en charger et qui va continuer à marquer les oh là points. Là là là. Tant de points marqués pour Squiddingwood sur cette pluie de palourdes. Et est-ce qu'ils ont encore l'opportunité de collecter les palourdes? Peut-être. Là, Orochi qui revient encore avec certaines palourdes. Il finit par se faire liquider. Je crois que la défense s'est replacée autour du panier. Ah bah alors là, le match a été littéralement retourné. Et ça fait des affaires justement de Squiddingwood qui s'autorise un petit peu de sursis dans cette grande finale. Toujours en BO7, on vous le rappelle, on a un ballon de part et d'autre, non, que seulement du côté de chez Prominence. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour passer? On a le feu nourri du lance rafale, on a un Bray, attention, regardez comment il est très bien à l'affût, bien à l'affût, bien embusqué, ça y est, il est vu, il va falloir faire vite. Ah, il passe par en dessous avec toutes les caractéristiques de son arme, c'est lui qui a l'avantage hein. Et il va être contraint de mettre le jolisateur, il va pouvoir le lancer avant de se faire liquider et il réussira à emmener Fury avec lui. Mal embarqué, mais bon, il a pas si mal joué le coup que ça. Il reste 5 secondes à jouer. On va rentrer dans des prolongations qui vont pas durer très longtemps. Prominence qui va devoir trouver un chemin pour aller jusqu'au panier. Le panier ici, là-dessus, je sais pas comment il faut regarder. Porky qui est à l'affût avec son calibre. On a Gekou qui là reste l'encre avec son multimissile. Baisse, hein. L'encre qui baisse au centre, vous le voyez en haut au centre. L'encre qui baisse dans l'encart prolongation là et ça va sonner la fin de la partie. Il faut trouver le moyen d'aller vers l'avant et ça avance. Attention avec Velos. Velos qui va passer. Oh, il se fait liquider. Et Squiddingwood qui tient bon dans cette pluie de palourdes. Squiddingwood qui revient à 2 à 1. Cette finale n'est pas encore jouée. Quelle poche des Squiddingwood. C'est fou. Genre, ils sont menés de ouf. Il leur a fallu qu'un seul push à Squiddingwood. Ah bah, ils avaient tellement de palourdes. Et ils ouvraient un traiteur. Hein. Ils ouvraient un traiteur produit de la mer, fruits de mer et délices de l'océan. Tellement ils avaient des palourdes dans les poches. C'est un truc de fou. Bon, bah comme quoi, ça se joue sur des détails. Ça se joue vraiment sur des détails. Et je le disais, les pluies de palourdes, il y a deux enjeux forts. Il y a réussir à aller sous le panier. Oui. Mais il y a surtout réussir à y aller avec beaucoup de palourdes à disposition pour faire un push qui compte. Et c'est ce qu'a fait Squiddingwood sur sa tentative. Il a mis 60 points, je crois. Ouais, ça a été un très très gros push. 60 points, c'est énorme en tout cas. 2-1. La finale est relancée. C'est relancé et là pour le coup, on vient de faire expédition risquée, mission bazooka, nous avons fait la pluie de palourdes, nous allons donc aller vers de la défense de zone. Et la défense de zone, je suis très, mais alors très,
très curieux. D'autant qu'on va aller sur le supermarché Cetacé. La carte de Gekou. Alors là, Gekou, il a un travail de fou là. Vraiment, pour moi, avec son style de jeu, ce supermarché Cetacé, il y a de quoi faire. Ouais, tout à fait. Il a de quoi être un petit peu planqué sur des parois, derrière des murs. Il a de quoi prendre par surprise les adversaires. Squeaking Good qui... a commencé à revenir dans la partie en remportant la manche précédente, mais c'est toujours bien Prominence qui a bien marqué des esprits hein, sur le début du BO7 qui mène pour le moment 2-1. Ça va être fou. On vous vendait, enfin on vous disait que c'était peu probable d'avoir un 4-0 hein, quand même. On s'est pas trompé. Déjà un premier pronostic de bon. On avait dit pas de 4-0. Pas de 4-0. Est-ce que ça sera un 4-3? Est-ce qu'on met une petite pièce là-dessus? Allez, je mets une petite pièce là-dessus. Tu veux une pièce sur 4-3? Ouais, je mets une petite pièce. Allez, je te rejoins. Je veux du spectacle. Je te rejoins sur le 4-3. Il y a de fortes chances qu'on puisse aller jusqu'à un 4-3 somptueux. C'est ce qu'on vous et c'est ce qu'on nous souhaite. Évidemment, soyez assurés que si toute l'équipe technique qui encadre cette diffusion sont à pieds joints, debout sur leur siège, en attendant le prominent, le prolifique 4-3 de cette grande finale en devenir. On vous l'a dit, on a mis notre pièce dessus. Supermarché 7-7 défense de zone, mon cher Dimitri. Effectivement, avec en défense de zone, Orochi qui repasse à l'extraceur. Hein. Il va jouer du coup backline, comme on dit dans le jargon compétitif. Il va être derrière ses coéquipiers avec son sniper. C'est intéressant cette polyvalence et ses choix différents en fonction des map modes. Alors, maintenant qu'on sait ça, on voit justement, tu l'as dit, hein, pour le changement de l'équipe, Fury quand même qui est pris en nourri, pris dans un feu nourri, j'ai terminé cette phrase, je vais la compléter pour qu'elle ait un semblant d'allure. Alors que le lance-rafale Orochi, bon, est poussé, il est raccompagné dans le coin, c'est du 2 points, mais il a immédiatement fait un saut au niveau de la base. C'est beaucoup de points qui s'envolent pour Prominence là. Hein. Ouais, effectivement, il va falloir trouver l'opportunité du côté de Squidding Good d'aller vers l'avant et de gagner des teamfights, mais c'est ça va être dur, ça. Parce qu'Obito est en train de prendre des liquidations. En allant vers l'avant, il afflige un moins 2 Gekou. Et il y a un moins 3 même, il y a Gekou qui se fait liquider en bas. Et Squidding Good là qui a raté un premier teamfight, il va falloir trouver le moyen d'y aller vers l'avant parce que là ça défile dangereusement. Mais Obito qui fait un travail exceptionnel, on n'a pas vraiment de super pour l'instant de disponible. On a une fontaine pour être sûr de pouvoir avoir un semblant d'accroche. Mais là il reste 10 points à aller chercher, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quoi que ce soit? On repeint, on a le sonar, paf, mais il y avait l'heure, regardez, l'équilibrateur junior. C'est ça la différence. Arrête du décompte à un point, arrête du décompte à un point, il faut la repeindre cette zone d'un côté ou de l'autre pour continuer à exister dans cette game. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de couleur et ça tombe du côté de Squidding Good. Prominence qui remporte cette défense de zone en mettant le point sur la table. Ah bah là ils ont fracassé la table avec. Ça a été très violent. Obito ? C'est Obito, hein. La défense de zone peut se jouer sur ces détails-là et peut aller assez vite. Si on casse des teamfights et Obito, en allant vers l'avant et en prenant les liquidations, a totalement annihilé Squidding Good pendant plusieurs secondes. Ah bah. Ça les a complètement mis dedans, les joueurs de Squidding Good qui n'ont rien pu faire sur cette défense de zone. Obito propulsé là-dessus, qui gagne à des duels très importants. Même Gekou est mis en difficulté alors que justement son équipe est en train de se faire moins 2 puis moins 3. Joyeusator pour aller enfoncer le clou, et surtout il y a un truc qui est très très fort, c'était le liquidateur junior qui a été utilisé pour les prominences, qui permettait grâce à la cadence de tir élevée du liquidateur junior. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle vous allez voir cette map, enfin cette arme souvent dans la défense zone, ça cadence tellement élevée, ça repeint tout. Et il y a fort à parier que tout l'arrêt du décompte là qui se jouait, c'était surtout grâce à ce liquidateur junior. Ouais, effectivement, Prominence qu'on fait ce qu'il fallait jusqu'au bout pour maintenir le contrôle de la zone. Il y a désormais 3-1 pour Prominence. Ils ne sont plus qu'à une petite manche de la qualification pour la Paris Games Week. Autant dire que là, on va vivre une prochaine manche extrêmement importante pour les deux équipes. Ça va être le chantier Narval en prochaine carte, potentiellement la dernière si tout se passe bien pour les Prominences. Alors c'est une carte qui est très verticale, mine de rien, avec énormément de plateformes mobiles qui vont être en rotation totale, etc. Donc là, la verticalité va faire la différence. Donc s'il y a de la verticalité, l'ancrifugeur va se régaler. Tout à fait. Concentrateur peut se régaler aussi. Gekou peut se régaler, on le disait, avec son style de jeu un peu où se cache. On se cache dans une plateforme mouvante. Tout à fait. Il a l'opportunité sur cette carte-là de... d'avoir un déclic vers l'avant et de prendre beaucoup de kills, parce que c'est à ça que Gekou va servir. Il va y avoir peut-être plein de moments où ça va pas marcher, où il va être découvert, il va être liquidé, mais il suffit d'une fois où il arrive à enchaîner les liquidations en prenant par surprise
surprise pour que Squid Ingood derrière puisse engranger un maximum de points et en l'occurrence faire avancer la tour hein, puisqu'il s'agit d'une expédition risquée. En tout cas, il n'y a plus le droit à la défaite pour Squid Ingood maintenant dans cette finale. Prominence qui n'est plus qu'à un petit point de la qualification pour la phase finale à la Paris Games Week. Et ce serait déjà un premier signal fort envoyé pour les prochains finalistes si Prominence l'emportait, parvenir comme ça à abattre les Squid Ingood hein, qui sont vraiment une équipe en place, qui était partie des favoris pour ce tournoi. Et là, qu'on arrive à ce point à les mettre en difficulté, c'est un message envoyé au reste des équipes qui, j'en suis sûr, vous en faites partie, hein, qui vous qualifierez pour les prochaines étapes qualificatives de la Paris Games Week. Ça va vous assurer que Prominence, ils sont pas venus là pour faire autre chose que gagner les tournois. Ouais, c'est clair. En tout cas, tout le monde est prêt. Chantier Narval, expédition risquée, Squid Ingood en bleu et Prominence en jaune. Et Prominence qui joue pour la qualification. Ça se joue sur cette manche-là. Ouais. Allez, en termes de composition d'équipe, c'est exactement la même pour Prominence. Et pour ce Squid Ingood, on a refait l'acquisition de fait de ce calibre. Calibre qui va nous être très très utile, vous en conviendrez. Voilà, l'encrifugeur du coup, vous en voyez, il y en a un sur cette verticalité. Cet exercice que je vous disais tout à l'heure, eh bien il est présent et il va s'assurer que rien ne passe. Allez, Geku qui tentait déjà une percée, mais il n'a pas pu prendre de liquidation. Du coup, il a rebroussé chemin pour repartir sur de meilleures bases. Liquidation avec le lance-rafale hein, de Fury qui a trouvé le kill sur Velos. Les autres joueurs de Prominence sont là. Et il y a surtout des jolisateurs, des maudits jolisateurs qui sont envoyés sur le chemin du stand mobile. On a partout, hein. Il y en a vraiment partout. C'est un truc de fou. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de points qui ont été bien marqués par les Squid Ingood. Et c'est au tour de Prominence, de proposer quelque chose, de proposer des points. Vous voyez que là, on a un bouclier, on est alors intransigeant côté Squid Ingood, on pose le bouclier, vous ne passerez pas, disait un certain sorcier dans une robe grise un peu de glace. Ouais, effectivement, je connais ce sorcier et il est pas là du côté de Squid Ingood hein, malheureusement, puisque ça passe, le stand continue à avancer. Là, ça passe bien hein, du côté de Prominence avec Velo sur le stand mobile qui tient bon, qui engrange les points. Obito qui arrive par derrière et qui prend deux kills. Obito à nouveau qui fait le clutch et qui va permettre à son équipe de continuer à faire avancer le stand. Ça joue pour la qualification et c'est la dernière ligne droite. Pour Prominence. Orochi qui a tenté de s'infiltrer. Je les attends. Sur le stand, ça remonte. Obito peut-être sur le stand. Je les adore. Pour quelqu'un sur le stand. Ça passe. Qui le pousse jusqu'au KO et jusqu'à la victoire et jusqu'à la qualification pour la Paris Games Week de Prominence. Première équipe qualifiée pour la phase finale à la Paris Games Week. Eh ben ça alors. Obito, messieurs, dames. Il y avait de l'envie là. Il y avait de l'envie. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient vraiment envie de se qualifier pour la Paris Games Week. Ça a été expéditif, tant sur la dernière défense de zone que sur cette expédition risquée. Là, c'est un 4-1. C'est un 4-1, messieurs, dames. Alors nous, on voulait aller jusqu'au 4-3. On nous aura laissé que le 4-1. C'est comme ça, Ilis, ou Ilis, félicitations aux Prominence qui remportent ce premier tournoi de qualification à la Paris Games Week. Félicitations aussi aux Squid Ingood qui ont été, mine de rien, exceptionnels. Regardez leur parcours, on revient en image hein, sur leur parcours, puisqu'on a donc victoire 2-0 face à Loomerice, 3-2 à l'arraché face à Pingouin, derrière 3-0 Roy Jackson. On s'en souvient, là aussi, c'était un 3-0 quand même expédié. Puis, eh bien cette défaite face à Prominence qui, eux, de leur côté, alors là, si on l'a échappé belle face à Uprising, on a envoyé un message à la France avec cette victoire contre les Alliance Rock. On aurait dû se méfier hein. Ouais, Prominence qui ont fait un très très bon tournoi. Il n'y a rien à dire sur leur performance. Absolument. Ce sont donc les premiers qualifiés et ça sera légitimement, puisque ce sont les premiers qualifiés, les favoris pour la phase finale à la Paris Games Week. Mais pas d'inquiétude pour les autres, puisqu'il y aura d'autres tournois de qualification à venir. Rendez-vous donc le samedi 22 octobre pour le prochain tournoi. Il y en aura également un le lendemain, le dimanche 23 octobre. Et enfin, le dernier tournoi de qualification, le samedi 29 octobre. Tout se passe en ligne. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
à l'ensemble des tournois. Et évidemment, on aura le plaisir avec TPK d'être là sur toutes les étapes de la route jusqu'à la Paris Games Week. Ça va être bien. Ça va être bien. J'ai tellement hâte. Je me faisais une joie de commenter ce premier tournoi aujourd'hui avec toi, mon cher Dimitri. Et quel spectacle. Vraiment, la méta de Splatoon 3 est passionnante. Là, alors que le jeu est sorti, il y a à peine quelques semaines, les joueurs sont déjà bourrés de créativité. Et on voit des joueurs essayer de se détacher, de casser un petit peu les codes. Déjà, les habitudes qui s'installent. Alors certes, Julisator, certes, Liquidator Junior, certes. Mais il y a aussi du Geku avec un rouleau qui se balade. On a des concentrateurs. On a eu un extincteur, tout à l'heure avec Lidl, qui a fait un travail exceptionnel. Bref, la méta se met doucement en place et il y a de très belles choses de proposer de partout. Et on risque de voir d'autres très belles choses lors des prochaines séances, des prochains tournois qualificatifs. Là, effectivement, c'était la compétition qu'on a vécue ensemble et qu'on va continuer de vivre ensemble. Mais évidemment, vous l'avez vu défiler un petit peu derrière nous tout le long de la diffusion. Splatoon, c'est aussi plein d'autres choses. C'est une aventure solo. C'est des modes de jeu aussi un petit peu plus en équipe, coopératif avec le Salmon Run. Il y a aussi, évidemment, même si là nous on a la classe tous les deux, vous pouvez aussi avoir la classe dans Splatoon avec des équipements super cool, des tenues super cool. Enfin voilà, il y a toute une ambiance autour de Splatoon qui est aussi à découvrir sur le jeu. Finalement, la compétition n'est qu'une partie de tout ce qu'on peut avoir sur ce jeu. C'est ça qui est fort. Moi, c'est pour ça que j'aime profondément ce jeu, c'est que globalement, si t'as pas envie de faire de la compète, si t'as pas envie de jouer en ligne contre des gens, si t'as juste envie d'être dans ton coin et de doser Splatoon, ou même que t'as envie de doser en coopération, il y a de quoi faire. Et ça, c'est cool. C'est rare d'avoir des jeux qui arrivent à te proposer autant de choses à faire avec autant de gens, tu vois, que ça soit en adversaire ou en allié ou même tout seul. Moi, je trouve ça exceptionnel. En tout cas, raison pour laquelle nous, on est des convaincus et on prêche un peu notre paroisse. Mais jouer à Splatoon, c'est super stylé. C'est super stylé. C'est clair. Voilà pour ce premier tournoi de qualification. Félicitations à toutes nos équipes qui ont participé, évidemment, à Prominence et Squidding Good pour cette fantastique finale. Vous l'avez compris, on se retrouve du coup pour le prochain tournoi de qualification pour ce Road to Paris Games Week où aura lieu les finales. 4 équipes de coups qu'on aura sélectionnées, que vous aurez pu voir en action pour ainsi avoir ce dénouement final à la Paris Games Week. Début novembre, merci beaucoup mon cher Dimitri. Eh bien, merci à toi TPK, c'était un plaisir de vivre cette première qualification avec toi. Merci évidemment à toutes les équipes qui ont participé, merci aux organisateurs du tournoi en ligne, merci à l'équipe technique qui a été à l'œuvre ici. Les plus beaux. Aussi, et merci à vous d'avoir suivi cette diffusion. On espère que vous répondrez présent également pour continuer à vivre ces belles batailles d'encre lors des prochains tournois. Salut à tous. Ciao.